Bonjour, Link fait son show euh, est le rendez-vous annuel des plateformes Link et Labo de l'édition, les deux plateformes dédiées aux industries numériques, culturelles et créatives de Paris Co. Ce temps fort est né d'une volonté de s'adresser à tout notre écosystème de professionnels sectoriels pour un temps d'échange et d'inspiration. Cette quatrième édition aurait dû s'articuler avec des moments de démo des startups et avec des moments de networking. On s'adapte. Et aujourd'hui, on est très heureux de se retrouver ici, au Forum des images, presque comme avec vous. Pour une session d'après-midi, ce matin vous avez eu l'occasion d'entendre une trentaine de start-up des industries créatives. Cet après-midi, nous aurons le plaisir d'entendre nos membres fondateurs ainsi que euh, une table ronde sur la transition écologique. Donc euh, je suis très heureuse et je vous souhaite un très bon show. Je passe maintenant la parole à Claude Farge, directeur général du Forum des images, et Loïc Desseur, directeur général de Paris Enco. Ah oui, voilà, très bien. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue au Forum des Images. Alors pour ceux qui sont en salle, vous voyez que nous sommes au forum des images. Pour les autres, c'est peut-être plus difficile à imaginer. Peut-être qu'à un moment, à l'occasion d'un plan de coupe, vous verrez nos très belles installations en plein centre de Paris. Alors, nous sommes toujours ravis de travailler avec la mairie de Paris, qui est notre principal soutien, donc cela va sans dire, mais aussi avec Paris Senco, Loïc et ses équipes. C'est la deuxième ou troisième fois que tu viens ici au moins. Bon là, c'est un format un petit peu particulier, mais qui fait, tout à fait enfin, encore plus sens pour nous, puisque vous le savez, au moment où on parle, il y a des gens qui sont en train de défiler à Bastille, les industries culturelles euh, particulièrement malmenées en s'étant troublées. Donc voilà, on trouve ça intéressant aussi que des professionnels et qu'on discute de ces sujets-là ici, alors que d'autres euh, défilent à Bastille, dans les deux sens, c'est une action politique, c'est-à-dire c'est le désir de faire bouger les lignes et d'avancer. Voilà, je ne vais pas être plus long, d'autant que la dernière fois, euh, avec Loïc, nous avons fait assaut de, de blagues ratées. Donc du coup là on va faire sobre. Mais tu, tu peux avoir le replay de la Donc voilà, peut... je passe la parole à Loïc Dosseur, il me semble. Merci cher Claude. Bah, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours effectivement assez étrange de parler comme ça devant une salle totalement pleine. Euh... Merci Claude et toute l'équipe du Forum des Images parce qu'effectivement c'est au moins la troisième fois. Il y a eu plusieurs séquences pour l'agence effectivement au sein du forum. C'est un partenariat dont on se réjouit vraiment. Et je dis vraiment merci à toute l'équipe parce que le contexte dans lequel votre métier, vos métiers sont. Euh, ne doit pas euh, vous faciliter le quotidien pour Paris-Senko donc euh, je vais pas rentrer dans le détail de l'agence moi je voulais insister euh, sur deux points déjà euh, souligner qu'aujourd'hui c'est pas seulement euh, Link et le labo de l'édition que vous connaissez bien qui sont présents c'est plus largement tout ce pôle divertissement on a réorganisé l'agence il y a un an et demi en, en grand pôle il y a un pôle divertissement qui est dirigé par Laurent Kesch qui était par là tout à l'heure euh, en haut euh, et qui regroupe également ce qui se passe euh, au sein du Welcome City Lab, de Level 256, donc le Welcome pour le tourisme, Level 256 sur le tourisme, et le French Event Booster sur l'événementiel. Et c'est du coup un ensemble assez puissant, vous avez tous les chiffres dans le, dans le book de l'événement sur ce que ça représente. Un autre axe, Catherine l'a évoqué, et qui est un, de, un des éléments des travaux de cette journée, qui est la transition écologique. Euh, action que l'on va amplifier dans l'ensemble de nos dispositifs sur les 500 startups qu'on accompagne, les 130 et quelques grands groupes qui nous font confiance, avec les acteurs publics, évidemment la ville de Paris, mais aussi la métropole du Grand Paris, pour faire de l'innovation un levier pour cette transition, arrêter presque je veux dire, de faire de la startup pour la startup, mais faire de la startup utile, elles le sont toutes bien sûr, mais surtout de l'innovation utile au service d'une transformation durable de notre de notre cité, de, de l'urbain, puisqu'on a un acteur de l'urbain. Donc voilà, je voulais souligner cet aspect-là parce qu'effectivement les travaux que vous allez conduire vont nous permettre de progresser, d'apprendre et évidemment derrière de restituer tout ça de, de façon large. Et j'ai maintenant le plaisir, l'honneur, nous avons, merci Claude, le devoir, le de, le devoir. de laisser la parole. J'ai déjà dû moi exploser mon timing, mais je vois que Pénélope, elle a une douzaine de fiches au moins, donc vous avez un petit moment. Donc Pénélope Comité, S, adjoint de la maire de Paris en charge de l'innovation et de l'attractivité, sous un tonnerre d'applaudissements, bien évidemment. Bon, euh, mais merci, merci. Alors voilà. Vous m'entendez Voilà, très bien. Donc merci, euh, merci. Moi, je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. C'est effectivement. Alors, je, je serai là euh, juste. Euh, pendant cette introduction, puisque nous sommes en, en Conseil de Paris et euh, nous avons notre séance budgétaire euh, classique de, de chaque année. Mais euh, moi, je suis ravie. C'est la première fois que je, je suis là euh, cet après-midi euh, pour parler effectivement avec vous euh, de cette vision de l'innovation. Merci euh, d'abord à Paris Senco d'avoir réussi à, à maintenir cet événement, hein, malgré euh, les contraintes que, que nous connaissons. Et euh, merci au Forum et, et à Claude d'avoir euh, permis son organisation euh, dans ses locaux comme... Tu l'as dit, qui sont des locaux magnifiques. Donc moi, je pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Pénélope Comitéch. Je suis, comme l'a dit Loïc, en charge de des politiques d'innovation et, et d'attractivité. Peut-être vous faire un, un petit vous faire un petit point sur la feuille de route sur les cinq années et demie qui nous restent puisque nous avons enfin notre feuille de route. Ça rejoint un petit peu ce qu'a dit aussi Loïc, de, je dirais peut-être la, la start-up utile. Je crois que l'innovation et la vision de l'innovation que, que nous voulons porter dans, dans les années qui viennent, c'est effectivement des innovations via des acteurs qui soient au service de la vision de cette politique de la ville que, que la maire a portée pendant toute cette campagne, avec effectivement... Euh, voilà, arriver à faire dans, euh, en 2026 une ville qui soit vraiment une ville plus résiliente, une ville plus durable, une ville effectivement euh, euh, plus écologique, mais aussi plus démocratique, plus citoyenne et, et inclusive. Et donc, effectivement, l'innovation et tous les projets euh, qui en découlent, quels que soient les acteurs qui, euh, qui les mettent en place, doivent, être, euh, doivent passer par, euh, par ce prisme euh, de. de de faire cette ville, de faire cette ville résiliente, et on doit effectivement s'emparer des grands défis environnementaux, des grands défis sociétaux, pour trouver effectivement des solutions pour fabriquer la ville autrement. Alors c'est très vaste, hein, fabriquer la ville autrement, c'est effectivement une transition dans la manière de construire, dans la manière d'utiliser les matériaux. C'est des transitions sur la logistique urbaine, sur la démocratie participative, notamment avec un travail important aussi sur tout ce qui concerne les tiers-lieux les friches, la manière dont on construit les friches aujourd'hui, c'est aussi les loisirs, c'est la consommation. et c'est aussi, c'est aussi bien évidemment, et on l'a vu, claude l'a rappelé, aujourd'hui, on a des gens qui, des, des, voilà, des, tout le monde de la culture qui, qui manifeste avec le soutien de, de ma collègue karine roland, qui n'a pas pu être là, mais... Qui s'en excuse euh, L'importance effectivement de la culture et, et des loisirs dans, dans, dans nos vies. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, ce qui s'affiche aujourd'hui sur un certain nombre de théâtres, euh, qui dit en euh, affiche pas essentiel. Voilà. Euh, et comment cela effectivement, ça nous manque. Euh, et cette crise, elle est effectivement. Euh, cette crise sanitaire, elle est une menace pour la santé, pour l'emploi et en particulier pour, pour l'industrie culturelle. Et on a vraiment une obligation de trouver des solutions, de, de trouver des, des, des solutions. Et on a vu, mais c'est pas suffisant que ces industries ont la, et ces structures, elles ont la capacité de, de s'adapter au contexte. On a vu des diffusions de concerts en live sur des plateformes. On a vu notamment au moment où il fallait pas ouvrir les librairies du click and collect, des visites virtuelles dans, dans les musées. Et c'est vraiment notre rôle en tant que, que collectivité que de bien évidemment soutenir les entrepreneurs et les structures qui développent toutes les idées et les solutions. Qui, euh, pour cette ville de demain, et cette ville de demain qui euh, voilà, cette ville de demain qui est une autre ville, mais qui va faire aussi de Paris une ville attractive, peut-être de manière plus différente. Différente. Aujourd'hui, quand on parle de l'attractivité ou comme en parlait aussi beaucoup euh, mon, mon collègue et ami Jean-Louis Missika au début de la mandature, on parlait beaucoup d'attractivité, d'attractivité économique, de nombre de mètres carrés de bureaux euh, qui rend la ville la vie attractive. Et euh, voilà, moi j'ai proposé aussi à la maire de, de travailler aussi. Sur l'attracte, qu qu'est-ce qu qui, dans 5, 10 ans, 15 ans, va faire qu'une ville soit attractive C'est vraisemblablement plus euh, le nombre de mètres carrés de bureaux dans la ville occupée, mais ce sera vraisemblablement euh, cette ville écologique, cette ville où on va tout réinventer, y compris aussi, euh, y compris aussi le, le tourisme. Donc, bien évidemment, nous allons euh, continuer à soutenir les incubateurs spécialisés dans les industries euh, créatives hein, comme Link pour. Euh, plus de voix pour accompagner les startups vers, vers, la, vers la transition écologique. On va continuer à, à les soutenir, notamment via nos dispositifs et Marie est dans la salle, notamment via les dispositifs PIA que Paris Innovation Amorçage que Jean-Louis avait, avait mis en place, mais et travailler effectivement aussi pour faire leur promotion et les aider aussi à avoir des, des débouchés. Euh, voilà, euh, je pense que c'est important, c'est aussi cette vraie force hein, de, de, de Paris Senco. Donc merci, je crois que les grandes entreprises aujourd'hui qui font partie de Paris Senco et qui soutiennent les différentes initiatives ont compris aussi que cet écosystème était au cœur de l'innovation et que c'est aussi leur rôle et c'est aussi comme ça qu'elles continueront à, à se développer et que cet écosystème est aussi pour elle une source d'inspiration, d'innovation et de challenge qui les aide quotidiennement à se restructurer. Donc voilà, merci, merci à tous. Je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer les startups qui sont incubées chez Link ni de visiter le labo d'édition. Situation sanitaire est un petit peu compliquée, mais j'espère que en janvier ou début février, je pourrai y aller et puis discuter plus longuement avec elle. Voilà. Donc je ne vais pas être plus longue. Donc merci beaucoup à vous, merci Claude, merci Loïc et merci à ma direction aussi, merci à Link et merci à tout, merci à vous. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci encore pour ces, pour ces jolis mots. Les membres fondateurs sont les partenaires de Link et du Labo de l'édition et ils accompagnent la vie des plateformes tout au long de l'année. Ils participent entre autres à nos comités de sélection et à nos comités de pilotage. Leur implication et leur expertise métier sont des vraies valeurs ajoutées à nos missions. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'accorder, enfin d'introduire de, 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 cette séquence qui leur est dédiée sur le thème. Quand les industries créatives s'engagent. Et vous allez donc écouter successivement Édouard Minck pour Baninje, Gilles Dufault pour la Banque des territoires et la Caisse des dépôts, Séverin Cassan pour Média Participation et enfin Frédéric Valois pour Vivendi. Voilà, je passe la main maintenant à Édouard. Bonjour. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut lancer les slides, s'il vous plaît Oui, mais si on peut juste les lancer, voilà. Euh, bonjour, donc je m'appelle Edouard Mink, je travaille chez Banijay. Je suis ravi d'être là aujourd'hui et je suis ravi, au nom du groupe, d'être partenaire de Link depuis euh, maintenant quelques années, depuis le départ. Euh, je vais vous parler un tout petit peu de Banijay et d'une initiative qu'on a lancée cette année et qu'on va pérenniser. Donc, Banijay est un groupe de production de contenu audiovisuel. Est-ce qu'on peut Passer le, le slide suivant. On est un groupe français, euh, c'est important de le dire. On a été créé il y a une douzaine d'années et on est le leader maintenant mondial de la production de contenu audiovisuel. Euh, on a racheté le groupe Endemol Shine en 2020, donc euh, il y a quelques mois. Euh, Est-ce qu'on peut passer le slide d'après Et euh, donc on a racheté le groupe Endemol, ce qui nous a placé à la première place. On produit à peu près tous les types de programmes, donc des programmes de flux, de l'animation, euh, de la fiction, du documentaire. Et, euh, on est présent un petit peu partout dans le monde, dans 22 pays, au travers de 120 sociétés. Notre métier, il est assez simple, il est de fédérer les meilleurs talents, de créer des programmes, de les commercialiser, de les produire et ensuite de les faire circuler dans, dans, le, monde, dans le monde entier. Euh, Est-ce qu'on peut aller au suivant? Donc, vous avez là un exemple d'un certain nombre de programmes qu'on qu crée. Euh, Qu'on vend. Il euh, y en a beaucoup qui sont présents en France, euh, certains très connus. Euh, en fiction, en grandes émissions, on fait Fort Boyard, on fait and Blinders, on fait énormément de, de choses à destination de, de tous les publics. Euh, voilà. Donc euh, nous, on est un programme et on est un groupe profondément humain dans le sens où euh, on a besoin d'avoir les meilleures équipes possibles pour commercialiser, pour produire nos programmes. Et le point de départ de notre activité est toujours la création de contenu on cherche les meilleurs créatifs. Et malheureusement, il n'y a pas énormément de filières de, de formation. Si on peut passer au suivant. Et donc, on a lancé ce programme qui s'appelle le Content Creatives Incubator. Et vous verrez sur le slide d'après, en fait, la lettre la plus importante de ce titre, c'est le S. Parce qu'en fait, on parle pas de contenu, on parle de créateur. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette initiative. C'est un incubateur de talents qu'on a voulu créer. Et qu'on a créé. Donc là, vous allez voir une vidéo qui est la vidéo qu'on a utilisée pour euh, recruter les 15 étudiants dont je vais parler juste après. Donc c'est une vidéo promotionnelle euh, qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut euh, avoir dans un, with one goal, un, un salon audiovisuel pour lancer une nouvelle émission. TV star Three weeks from the in TV and a changing prize at stake. What? Joining Banigay. A leading content creator with more than 50 production companies in 16 countries. Okay, so what do you have to do? Pitch us a brand new concept for TV or platforms. The sky is the limit, so you better go wild. But of course, as in every reality show, there is a twist. Your creation can be whatever you want, but has to follow two of these four commandments appeal to families. Be a social experiment. Bring fun. Cast new tribes. Can you crack the code? Reveal your creativity, passion, and your drive for this. Will your idea grab the attention of the entire world? If you've got what it takes, submit your application before June 30th, 2020. Hurry up! Don't wait! Donc, ce, ce programme qu'on a créé, on l'a créé en partenariat avec la ville de Cannes et avec l'université euh, Côte d'Azur. L'objectif était de proposer à 15 étudiants euh, d'un peu partout euh, en France ou à 15 euh, jeunes diplômés de participer à un programme de formation. Ce programme, il était gratuit, il était ouvert à tous. Il fallait euh, soumettre un dossier. Le dossier était assez simple. Il fallait répondre au, au brief que vous venez de voir. Imaginez en deux pages une idée d'une nouvelle émission de, de télévision. Il était évidemment gratuit et notre objectif était de répondre à un manque qui existe, à savoir former des jeunes pour créer des programmes de format TV. Il y a beaucoup de choses pour de la fiction, il y a des choses pour de l'animation, mais pour créer un format, il n'y en a pas beaucoup alors que c'est au cœur de l'économie internationale de l'audiovisuel. C'était un programme court, trois semaines intensive qui était remplie de plusieurs séquences différentes. Il y avait énormément de cours, de formations techniques. Il y a eu des masterclass avec des experts du, du domaine, qu'ils soient de notre groupe ou de, de l'extérieur. Et il y avait aussi toutes les après-midi des séances de design thinking, puisque à la fin du programme, les étudiants répartis par équipe devaient imaginer. Et pitcher devant un jury d'experts un, une idée d'un nouveau programme de, de télévision. Et ça a extrêmement bien marché. On a fait une première promotion donc en octobre 2020, euh, 100% digital. Bien évidemment, c'était pas l'objectif au départ, mais on s'est rendu compte que la créativité peut fonctionner même à distance. Les trois filles qui ont gagné ne se sont jamais vues, ne se connaissaient pas, et pourtant elles ont collaboré pendant trois semaines et ont, ont fait un très beau, très beau programme. Notre objectif aujourd'hui, il est évidemment de pérenniser ce programme qui a fonctionné et de l'internationaliser euh, parce qu'on croit énormément dans ce, cette idée de euh, l'incubateur de talent qui répond à un besoin pour nous, mais pas uniquement pour nous, mais surtout pour la filière. Le contenu audiovisuel, la production de contenu, c'est un métier extrêmement intéressant. Euh, c'est un métier qui euh, est en croissance, il y a des grosses entreprises, la France fait partie des pays leaders, avec notre groupe mais avec plein d'autres, et on veut euh, contribuer à accompagner dans la formation des, des jeunes vers notre métier. Merci beaucoup. j Bonjour. Ah bah voilà, je me vois. Donc euh, Gilles Dufault, je travaille à la Caisse des dépôts et consignations au département Transition Numérique et je travaille plus particulièrement sur un programme d'investissement d'avenir qui s'appelle Culture, Patrimoine et Numérique. Euh, alors par rapport au sujet qui est euh, culture et développement durable, euh, juste un chiffre, enfin euh, deux chiffres plutôt. Euh, la Caisse des dépôts dans le cadre du plan de relance qui a été annoncé par le gouvernement il y a quelques semaines, voire mois, euh, a indiqué qu'elle allait mettre à disposition des collectivités territoriales une enveloppe de 12 milliards d'euros de prêts euh, pour financer... Euh, la transition écologique, notamment en matière de bâtiments et de rénovation thermique. Euh, et puis, il y aura également une enveloppe de 8 milliards et demi d'euros, si ma mémoire est bonne, euh, d'investissement justement dans le domaine. Et alors, à ma plus petite échelle, euh, je voulais signaler, et après je m'arrêterai là, euh, un investissement que le département dans lequel je travaille a fait il y a quelques mois, qui s'appelle Carnot Computing, ça s'écrit Q. ARNOT, euh, et ils ont développé une capacité euh, de faire du calcul de, de haute fréquence euh, vert, donc avec un certain nombre de dispositifs pour accéder à de l'électricité, euh, qui est un impact d'environnement euh, positif, on va dire ça comme ça, puisque l'énergie qui est euh, développée par les serveurs, en fait, est utilisée pour... Euh, du chauffage urbain, notamment, euh, et je crois aussi du chauffage de piscine. Euh, et ils ont développé en fait une offre spécifique de calcul, euh, notamment pour de la restitution 3D à destination euh, des industries culturelles, puisqu'ils travaillent sur des, des dessins animés et qu'ils sont intervenus euh, sur le dernier film euh, de, de. Comment il s'appelle ce labo Qui a produit Les Mignons, donc le nouvel, le nouvel épisode des Mignons. Euh, pardon voilà, MacGuff, voilà exactement, Illumination MacGuff. Euh, et donc le prochain dessin animé euh, avec les mignons et le célèbre Gros euh, sera en fait un dessin animé en partie vert. Voilà. Bonjour à tous, euh, je suis Séverin Cassan, donc je suis directeur général des éditions de La Martinière et là j'ai le plaisir de représenter le groupe Média Participation que je vais vous présenter. C'est une présentation euh, sans, un, un peu moins, et, et j'en suis désolé, moins originale que mes, mes prédécesseurs. Mes pré Il n'y a quasiment pas de mots d'anglais je crois. Donc, c'est vraiment très traditionnel comme presse. Euh, média Participation, ça vaut peut-être le coup d'en dire un mot parce que c'est un groupe qui est bien moins connu. En tout cas, son nom est bien moins connu que les, les sociétés qui le constituent. Euh, il a été fondé en 86, donc il a un peu plus de, plus de 30 ans. Euh, il y a 80 sociétés. C'est le quatrième groupe d'édition en France pour un chiffre d'affaires d'à peu près 550 millions d'euros. Mais comme on va le voir, c'est de l'édition, mais pas que. Voilà. Alors, je parlais des, des maisons qu'ils constituent. Dargo est sans doute l'une des plus connues d'entre elles. Je ne vous ferai pas l'injure de vous présenter euh, certains des personnages qui apparaissent euh, à l'écran. Euh, c'est Dargo et le magazine Pilote qui, pour les plus anciens, mais alors j'ai la lumière dans les yeux, mais je vois pas de très anciens ici. Donc, je ne sais pas si Pilote, vous l'avez lu dans votre enfance. Euh, mais c'est ça qui a jeté les bases du, du pôle BD de, de médias participation. Et puis, comme vous le voyez, pour tous les âges, des. Euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux héros euh, apparaissent euh, régulièrement. Le Lombard également, une deuxième, une deuxième maison du, euh, du pôle BD avec là encore des personnages iconiques et puis euh, de nouvelles séries à grand succès. Alors si, euh, si certains d'entre vous ont des, ont des enfants euh, entre 8 et 12 ans, les enfants de la résistance en particulier, vous ne serez sans doute pas passés à côté. Euh, ce qui est d'ores et déjà intéressant, sans dévoiler le reste que de la présentation dont vous, vous doutez, c'est que vous voyez que ces personnages, au sein de média Participation, l'une un, des ambitions, j'allais dire l'une des obsessions, c'est de les porter sur différents supports, de sortir du simple, et je mets des grands guillemets à simple, du simple livre pour les porter, on verra, en jeux vidéo, en animation, etc., etc. en produits dérivés, etc. Ensuite, nous avons la maison du puits, euh, que vous connaissez également sans doute, avec euh, certains personnages iconiques euh, issus en grande partie du journal Spirou, qui est un des piliers de notre pôle presse que j'évoquerai tout à l'heure. Euh, et donc voilà, des personnages toujours, toujours tout à fait euh, vivants aujourd'hui cana c'est la maison d'édition de manga du groupe alors je suis passé un peu rapidement en introduction sur l'année très particulière évidemment que l'ensemble des industries et en particulier les industries culturelles ça a été dit tout à l'heure ont traversé il se trouve que euh, l'édition la librairie a connu une résilience très forte puisque dans cette année un peu cataclysmique on a terminé euh, à fin mai à moins 25% de chiffre d'affaires par rapport à 2019. Et il y a eu un rebond, il y a eu un, un, un engouement des Français pour le livre qui fait qu'à fin octobre, on était plus qu'à moins 4% par rapport à 2019. Donc il y a eu un rebond extrêmement fort, que le reconfinement de novembre a un peu battu en brèche. Mais à nouveau, lors de la réouverture des librairies il y a deux semaines, les, euh, les clients, les lecteurs ont été au rendez-vous. Et alors je l'évoque là sur le, le slide de Cana parce que Cana. C'est notre fer de lance autour du manga et le manga depuis 15-20 ans ne dé... un... connaît un succès qui ne se dément pas. C'est pour beaucoup de jeunes lecteurs la porte d'entrée euh, précisément dans le monde du livre et, euh, et, et ce sont des lecteurs qui vieillissent, donc c'est intéressant parce qu'il y a maintenant des mangas pour tous les âges qui se sont, euh, qui se sont développés. Euh, un, autre, euh, un autre secteur qui euh, ne connaît pas quasiment pas la crise, ce sont les comics avec Urban Comics qui est au sein de, de Dargo, le label dédié aux, aux super-héros et en particulier aux super-héros issus de l'univers de DC Comics que vous connaissez également. Voilà, ça c'est pour la BD. Euh, au sein de Media Participation, il y a également tout un pôle livre, et en, enfin livre plus traditionnel, dont des livres illustrés avec Fleurus. Là encore, les parents parmi vous pourront, ne seront pas passés à côté des imageries fleurus. Ah non, pardon, je tourne, mais en fait, je n'ai pas la presse, je l'ai que devant moi. Si mon regard est bon, c'est tout à fait à gauche, en haut à gauche du slide. Et ces imageries, elles se sont vendues à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde, donc c'est vraiment un phénomène voilà, qui ne se dément pas. Je passe rapidement sur les autres. Voilà. Des livres pratiques, donc média participation, c'est aussi... Des guides pour apprendre à conduire, pour apprendre à piloter un bateau, pour apprendre à jardiner, donc il y a toute une, une proposition, une offre de livres pratiques, là aussi qui a un segment en forte croissance depuis une dizaine d'années. Il, un, il y a un côté du livre, on l'a vu avec la BD, qui apporte de l'évasion, du plaisir, de l'imaginaire, et puis il y a tout un marché de l'édition qui est plus axé sur les bénéfices fonctionnels et les livres pratiques en font partie. En 2017, on peut passer le merci. En 2017, euh, Média Participation a fait l'acquisition du groupe La Martinière Le Seuil et donc des éditions de La Martinière fondées il y a à peu près 30 ans par euh, Hervé, euh, Hervé de La Martinière. Et donc, Média Participation a fait son entrée dans le beau livre en particulier, également a renforcé son livre, je... ses... sa littérature jeunesse ainsi que euh, les livres pratiques autour de la cuisine. L'un des faits marquants de cette année, c'est non seulement c'est un peu ma chapelle, mais euh, j'en parle parce que ça intéressera des, des innovateurs comme vous tous qui croyez que euh, le meilleur est toujours à venir. Et vous avez raison. Et nous, il se trouve que le grand succès de l'année, qui est euh, la série fait maison par Cyril Lignac, est un livre qui n'était pas prévu. Euh, on a reçu un coup de fil début avril de, de l'équipe de Cyril Lignac avec laquelle on travaille depuis quatre ans. Et qui nous a proposé de faire un livre issu de petits Live Instagram, qui a ensuite été porté sur M6. Et donc, c'est un livre qu'on a fait en 3-4 semaines, à distance, donc en bypassant, entre guillemets, nécessité fait loi, tous les, tous les process habituels, et qui se trouve être l'une des toutes meilleures ventes, toutes catégories éditoriales confondues de cette année. Voilà, donc comme quoi, quand on dit, c'est un peu tarte à la crème, mais quand on dit que des crises peuvent aussi naître des opportunités, c'est un, un exemple, je pense, assez parlant. Euh, la Martinière, c'était aussi <coughs> l'audace d'Hervé de la qui, euh... Alors, on peut passer le slide, pardon, l'audace La Martinière qui, à la fin des années euh, 90, a fait l'acquisition d'une très vénérable et emblématique maison d'édition américaine, Abrams. Et Abrams, est en particulier l'éditeur du journal d'un dégonflé. Et là, pour la troisième fois, je vais vous dire si vous avez des enfants autour de vous, je pense que vous connaissez. Euh, sinon, je vous invite à, à découvrir cet univers absolument réjouissant et, et très drôle. Euh, Jean ai dégonflé, c'est plus de 250 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Bref. Et puis, il y avait le seuil. voilà. Et le seuil, là, euh, bah, l'appareil, pardon de me répéter, je ne vous ferai pas l'injure de vous présenter cette, cette superbe maison qui date de l'après-guerre et qui euh, a encore une prégnance très forte sur le paysage littéraire et intellectuel français et même mondial, si on pense aux ouvrages de Thomas Piketty pour ne citer que lui. Euh, c'est aussi l'une des, des, des sources euh, d'œuvres euh, portées derrière euh, en adaptation cinématographique, entre autres. Voilà, donc euh, ça fait partie également du groupe. Et puis le groupe, j'en ai presque terminé, euh, c'est également de l'édition spirituelle et religieuse. Voilà, avec MAM, Magnificat, Magnificat qui est une très forte activité aux États-Unis. Ensuite, nous avons le Paul presse. je l'ai évoqué, je passe rapidement. Euh, je, voilà, Paul presse qui a connu une année aussi compliquée, mais dont les, dont les audiences Internet ont bondi. Et puis voilà, tout à l'heure, en, en introduction avec la Paul BD, j'évoquais. L'adaptation, euh, par exemple, en dessin animé, d'un certain nombre de nos, de nos franchises. On voit Garfield, on voit Boulet Bill, euh, je ne sais pas si on voit Lucky Luke ou pas. Non. Et puis, il y a un grand Schtroumpf qui devrait arriver euh, très prochainement. Et enfin, autre adaptation de, de ces franchises, c'est euh, l'univers des, des jeux vidéo. Donc, euh, vous voyez ici euh, des héros emblématiques, dont deux font partie du groupe, puisque Black Sad est. Euh, est une franchise de Dargo ainsi que 13. Et puis, euh, Microïd a adapté Astérix et Obélix depuis trois euh, ans. Et enfin, dernière diversification du groupe en 2018, le parc Spirou. Si vous avez l'occasion d'aller vers Avignon, vous pourrez y passer une journée en famille tout à fait réjouissante. Voilà. Et je crois qu'il y a une petite, un petit mantra du seuil. Euh, qui provient du seuil pour terminer cette présentation et qui, je crois, euh, reflète bien l'année qu'on a vécue et la résilience du marché du livre et de l'édition en particulier qu'on a que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, merci à tous. Merci. Bonjour. Donc je m'appelle frédéric valois je m'occupe de la direction de la communication interne éditoriale du groupe vivendi et avant d'entrer dans le vif du sujet j'aimerais vous montrer une petite vidéo. the real Cette vidéo que vous venez de voir, c'est la vidéo que nous avons présentée il y a tout juste un mois et demi pour officialiser le partenariat entre le groupe Vivendi et la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en France en 2023. Avec les équipes de la RSE, on s'est dit, avec l'équipe de la RSE de Vivendi, on s'est dit que ce partenariat répondait bien, d'une certaine manière, à la commande du jour, que je rappelle. Euh, présenter une action impactante en 2020 ou qui aura des, des effets pardon, positifs pour l'avenir. J'allais dire qu'on fait même d'une pierre deux coups puisque ce partenariat est une action marquante de 2020 et aura des effets euh, positifs euh, pour l'avenir. Avant de vous dire pourquoi, euh, je voudrais rapidement rappeler euh, quels sont les, dire, les acteurs en présence. Donc d'un côté, on a le groupe Vivendi que je représente aujourd'hui. Le groupe Vivendi euh, figure parmi les principaux groupes de divertissement au monde aujourd'hui. Euh, c'est 45 000 collaborateurs, c'est 80 pays. Et c'est surtout une particularité, celle d'être présente dans différentes industries de la création. Donc la musique avec Universal Music, euh, l'audiovisuel avec le groupe Canal, la publicité et la communication avec le groupe Avas, l'édition avec Editis ou les jeux vidéo avec, euh, avec euh, GameLoft. De l'autre côté, on a France 2023. Qu'est-ce que c'est que France 2023 C'est le comité qui a la charge d'organiser la Coupe du Monde de rugby en France en 2023. Il faut rappeler que la Coupe du Monde de rugby est le troisième, sport, est le troisième pardon, spectacle sportif au monde, après la Coupe du Monde de foot et euh, les Jeux olympiques. Et pour la France en 2023, l'enjeu est considérable. Euh, 1,2 milliard euh, d'euros de retombées économiques estimées, 17 000 emplois soutenus ou créés et plusieurs centaines de milliers de visiteurs qui sont attendus. Et donc d'une certaine, mani certaine manière, ce partenariat euh, entre Vivendi et France 2023, c'est la rencontre entre le divertissement et le sport. Et d'une certaine manière, c'est une rencontre qui est logique euh, puisque euh, nos différentes entités euh, ont euh, un rapport avec le sport dans l'événementialisation, la conception, la production, la médiatisation de, de spectacles sportifs. Et vous avez vu dans la vidéo peut-être un mot passé qui, à mon avis, réunit ces deux univers, c'est le mot d'émotion. Euh, lorsqu'on lorsqu'on regarde un film ou une série, lorsqu'on lit un livre, lorsqu'on écoute de la musique, on ressent souvent des émotions qui sont comparables à celles qu'on éprouve lorsqu'on est devant un spectacle sportif. Ce partenariat, c'est donc une action marquante de 2020, une action innovante et une action à impact responsable. Une action marquante de 2020 tout d'abord. Il est évident que euh, pour un groupe comme le nôtre, s'engager dans un partenariat d'une telle envergure dans l'année que nous connaissons, c'est évidemment une source de motivation, euh, j'allais dire, pour le présent et une marque de confiance pour l'avenir. Et euh, grâce à ce partenariat, nous pouvons embarquer dès à présent et pour les trois années qui viennent. 45 000 collaborateurs du groupe, du groupe Vivendi, euh, dans une aventure qui est extrêmement fédératrice. Une action innovante ensuite. Alors j'allais dire pas innovante ou pas tant innovante d'un point de vue technologique, mais innovante d'un point de vue de l'approche. Parce que euh, ce part, le partenariat que nous proposons avec France 2023, c'est un partenariat qui va mobiliser différentes expertises créatives du groupe et surtout qui va les combiner entre elles. Et ça, c'est un élément qui est absolument décisif, très important dans notre approche. C'est comment est-ce qu'on arrive à associer différentes expertises pour créer des expériences uniques de divertissement. J'allais dire que Link, qui embrasse différents justement industries de la création pour mieux susciter l'innovation, est bien placé pour le savoir. Pour notre groupe, en tout cas, c'est une approche qui est relativement nouvelle. Nous avons pendant longtemps laissé nos entités, j'allais dire, vivre leur propre vie. Et là, dans ce type de projet, nous les combinons ensemble et nous jouons la carte du collectif. Et dernier élément, une action à impact responsable, j'allais dire c'est sûrement l'élément le, le plus important, parce que nous soutenons, bien un sport, nous soutenons bien évidemment un projet sportif, mais nous soutenons aussi et surtout un projet euh, sociétal, un projet qui va laisser une trace, euh, un héritage, et qui d'ailleurs va bénéficier à des publics qui dépassent très largement le cadre du sport. Je vais vous donner deux exemples puisque ce partenariat a commencé dès 2020. Un premier exemple, notre euh, agence, enfin, une des agences du groupe Avas, a euh, pensé la communication d'un programme qui s'appelle Campus 2023. Campus 2023, c'est un programme qui permet de former 2023 alternants à Horizon, donc de 2023, qui sont âgés entre euh, entre 18 et 30 ans. Ça, c'est en matière donc d'insertion professionnelle et en matière de euh, respect de l'environnement. Euh, le groupe Editis, parce qu'on parlait de livres juste avant, euh, juste avant, le groupe Editis a publié un petit livre qui s'appelle Le 15 de la gastronomie, dans lequel 15 chefs renommés ont, ont accepté de partager euh, une de leurs recettes qui est faite à partir de produits issus de circuits courts. Donc ce sont encore deux petits exemples et il y en aura beaucoup d'autres euh, dans les années à venir euh, auxquels Vivendi apportera son soutien et sa contribution, bien entendu. Donc vous l'aurez compris, c'est évidemment. Un partenariat de visibilité, de notoriété, mais c'est aussi un partenariat d'engagement, de responsabilité, euh, qui nous permet avec France 2023 de nous retrouver sur un certain nombre de valeurs euh, et d'engagements. J'aimerais conclure euh, par une actualité rugbyistique, puisqu'on parle de rugby. Vous avez peut-être vu hier qu'avait lieu le tirage au sort de la Coupe du Monde, et vous avez peut-être vu que la France euh, était dans la poule des All Blacks. Euh, ce, qui, ce qui augure évidemment d'une très belle compétition et d'un très bel événement sportif. Et euh, si on a peu euh, de raisons de regretter euh, 2020, je pense qu'on a beaucoup de raisons de se réjouir pour 2023. Voilà, je vous remercie. Je remercie encore une fois tous nos membres fondateurs pour tous ces retours d'expérience. Euh, qu'ils ont partagé aujourd'hui avec vous. Et en attendant, voilà, je vais maintenant... C'est le moment de la table ronde. Euh, je vais passer la parole à Camille Penn, experte en transition écologique et qui accompagne les industries créatives et culturelles dans cette transition euh, écologique, particulièrement avec le collectif Les Augures. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je, je l'accueille, voilà, j'allais dire, sur le plateau, euh, sur le plateau télé. Euh, J'aurais aussi. Euh, euh, je Comment dire J'aurais voulu vous parler du livrable. Deux secondes. Hop C'est les points du direct. Voilà. Camille a participé à superviser un livrable que les équipes de Link et du Labo ont, ont écrit euh, sur la base de 18 entretiens, euh, qui est en résonance, bien sûr, avec la table ronde sur les industries créatives et la transition écologique. Vous le pouvez le télécharger euh, d'ici la fin de la journée. Et j'espère que ce sera effectivement une façon d'aller voilà, au-delà de la table ronde. Camille, je te laisse la place. Euh, merci beaucoup et je vous souhaite un bon moment. Euh, bonjour à tous. Euh, bah, comme Catherine l'a dit, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde qui porte sur le sujet des industries culturelles et créatives à l'heure de la transition écologique. Euh, alors pourquoi ce sujet bon, bah, On est face à une urgence écologique, je vous apprends rien. Euh, on subit à la fois un réchauffement climatique et un épuisement des ressources planétaires. Et la réduction de la dépendance de nos activités aux flux de matière et d'énergie devient une nécessité stratégique, financière, mais aussi écologique et sociale. Et c'est donc aussi une nécessité pour les industries culturelles et créatives qui doivent faire face, elles aussi, et inventer de nouveaux modes de création, de production, de diffusion qui prennent en compte cette double contrainte énergie-climat. Par ailleurs, de surcroît, nous vivons une crise sanitaire qui, qui s'est avérée être un révélateur de la fragilité économique du secteur de la culture, du secteur des industries créatives. Et, euh, et accentue la conscience euh, des professionnels des industries créatives d'inventer, de trouver de nouveaux modèles qui soient résilients, des modèles alternatifs. Et de ce point de vue-là, euh, la crise et la transition écologique sont une opportunité d'innovation. C'est donc un sujet dont le Link de Paris Co. Euh, se devait de s'emparer pour éclairer, accompagner son écosystème de start-up, de grands groupes, de territoires et d'innovateurs dans ce mouvement de transition. Alors, l'écologie, ce n'est pas une préoccupation entièrement nouvelle et ce n'est pas une préoccupation nouvelle pour le secteur des industries créatives. On ne part pas de zéro et les intervenants et intervenantes qu'on a invités pour cette table ronde sont là pour en témoigner. Cette table ronde va mettre en valeur des initiatives, des bonnes pratiques, des expertises, mais aussi des engagements qui, on l'espère, vont vous inspirer pour aussi mettre cette transition écologique en pratique dans vos métiers. Enfin, je voulais aussi rappeler que même si on est là pour parler de l'empreinte écologique du secteur des industries créatives et culturelles et comment le réduire, et qu'elles doivent, dans cette perspective, revisiter leur mode de fonctionnement, elles ont aussi un rôle positif, une fonction symbolique bien particulière. Les industries créatives, ce n'est pas comme n'importe quelle industrie, qu'elles peuvent mettre au service de la transition écologique. C'est le rôle des récits qui nous permet de nous projeter collectivement dans un futur souhaitable et de ce point de vue là l'innovation l'invention elle est du côté des artistes des créateurs euh, des créateurs de contenu et de la puissance de l'imaginaire et on en parlera plus en détail dans cette table ronde alors d'un point de vue pratique on est ensemble pendant 1h30 euh, avec nos intervenants qui me rejoindront plus tard vous enfin nous on est au forum des images un peu seul vous vous nous regardez euh, sur youtube posez vos questions, euh, on, les, on les répercutera euh, en fin de session aux intervenants qui répondront. On a vraiment besoin, enfin, c'est la transition écologique, c'est encore quelque chose qui est en train d'être expérimenté. On cherche des solutions, on a besoin de l'éclairage et des expériences de chacun. Donc, s'il vous plaît, euh, réagissez, même à distance, qu'on se sente un petit peu moins seul avec ce vaste problème. Euh, on a quatre intervenants avec nous aujourd'hui que je vais présenter. Euh, euh, dans un instant, je dis juste leur nom. Pascal Lenoir, qui est président de la commission euh, environnement euh, et fabrication du syndicat national de l'édition et qui est directeur de production euh, aux éditions Gallimard. Joanna Calardo, qui est responsable des relations institutionnelles à Paris Film Région et chargée de mission au sein du collectif Ecoprod. marie Pellerin, qui est inside directeur au sein de Vivendi Brand Marketing. Et Magali Payen, qui est productrice et fondatrice du mouvement On est prêt. Et puis, on a une invitée qui ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui. Et donc, on lui a demandé euh, d'enregistrer euh, une vidéo pour cadrer les enjeux du sujet. Il s'agit d'Anaïs Roesch, qui est chef de projet pour les secteurs culturels au sein euh, du Chiffre Project. Alors, le Shift Project, c'est euh, un think tank euh, qui œuvre pour, euh, on va dire, décrypter, enfin, pour décarboner l'économie en produisant des études, des rapports, des données chiffrées. Euh, et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, Anaïs Roesch travaille sur la question spécifique de la culture dans le cadre du plan de transformation de l'économie française auquel travaille le Shift Project. Et parmi les secteurs économiques qui ont été retenus, la culture, comme secteur économique, qui a un poids non négligeable, ce dont Anaïs nous va nous parler dans sa, dans sa vidéo, qu'on va regarder donc maintenant une petite dizaine de minutes avant de laisser la parole aux intervenants. Alors la culture est un secteur important pour la transition écologique, elle est nécessaire parce qu'elle a cette spécificité qu'on connaît toutes et tous, c'est ce pouvoir euh, de créer de nouveaux récits et grâce au talent des artistes et à l'imaginaire qu'ils nous, qu nous offrent, euh, de d'écrire de nouveaux récits pour un avenir qui soit durable et surtout de rendre désirable euh, ce nouveau récit-là. Puisque notre monde est, est fait de fiction et en fait aujourd'hui le constat qu'on fait c'est qu'on s'est simplement trompé de récits de société et que l'histoire qu'on est en train de se raconter, elle n'est pas la bonne parce qu'elle conduit à notre propre perte. Donc la culture, elle permet de sensibiliser, elle permet d'influencer des changements sociétaux euh, et de rendre visibles des choses que l'on ne voit pas peut-être à notre échelle. Euh, mais le message que nous, on veut faire passer au Shift, c'est que euh, la culture, oui, est un secteur nécessaire pour la transition écologique, mais qu'il est aussi nécessaire pour le secteur culturel de faire sa transition. Et on a du mal encore aujourd'hui à penser la culture sous cet angle-là. Euh, alors que quand on regarde bien, on se rend compte que la culture est un secteur qui est largement dépendant des énergies fossiles. C'est un secteur qui est fragile, c'est un secteur qui est précaire. Et donc, c'est un secteur qui va être vulnérable face au changement climatique et au choc énergétique. Et en cas de crise, comme c'est le cas en ce moment avec la crise sanitaire, on le voit très bien euh, que c'est la culture qui va en faire euh, les, fait, les frais en première. Donc, ce que nous, on propose au shift, c'est de s'occuper du problème de manière euh, consciente, de manière volontaire, euh, pour que le problème ne s'occupe pas euh, de nous ensuite de manière contrainte. Et c'est vrai que quand on regarde euh, la transition euh, de manière classique, on ne voit pas la culture, puisque la transition énergétique, elle va aller interroger euh, euh, l'industrie, elle va aller interroger l'agriculture, elle va interroger notre mobilité, elle va interroger. Euh, nos consommations d'énergie et dans tout ça, on ne voit pas au premier abord la culture. Et ce que nous, on démontre avec mon collègue Samuel Valenci, c'est que à l'inverse, la culture, elle est euh, partout. Elle est dans toutes ces activités. On a besoin de, de se déplacer euh, pour aller euh, diffuser et partager euh, la culture. Et si on associe la culture au loisir, on se rend compte que c'est la troisième cause de mobilité euh, des Français. On a besoin d'un toit euh, pour créer une fois de plus et pour partager la culture. Euh, et grâce à notre politique culturelle euh, euh, de plusieurs décennies, on a tout un maillage territorial euh, avec des milliers de salles de cinéma, des centaines de, de lieux de spectacle, euh, des, des milliers de musées euh, et, et des dizaines de milliers de lieux de lecteurs publics. Euh, et c'est pareil pour l'agriculture, on, on ne voit pas forcément le lien, et pourtant dans la culture, on mange, et quand on vous rendez à un festival et que vous y passez deux jours et trois, ou trois jours, vous allez vous, vous allez vous alimenter. Donc la culture est au cœur de cette transition, et elle doit tout d'abord se transformer pour être résiliente, et c'est aussi en se transformant qu'elle peut à son tour devenir exemplaire et entraîner d'autres secteurs avec elle. Alors c'est une excellente question. <laughs> euh, malheureusement, j'ai envie de dire, on peut pas s'appuyer sur grand chose et c'est bien le problème dans la culture, euh, c'est que euh, on connaît mal le problème justement parce qu'on ne le mesure pas. Et les bilans carbone euh, dans le secteur culturel sont totalement inexistants, euh, à part quelques exceptions euh, qui sont le fruit euh, de structures qui sont dans l'obligation légale de produire. Euh, euh, ces données, on est un petit peu dans le désert et euh, les quelques acteurs et actrices qui euh, l'ont fait de manière volontaire euh, se comptent euh, sur les doigts d'une seule main. Donc est, on est vraiment face à une absence de données euh, qui peut s'expliquer pour plusieurs raisons. D'abord parce que la culture, euh, elle repose sur des valeurs euh, qui ne sont pas toujours compatibles avec des objectifs, des outils objectifs de mesure qu'on va utiliser euh, classiquement dans d'autres secteurs de l'économie. La culture elle-même, en tant que secteur, euh, évolue puisqu'on est au cœur de l'innovation. Euh, donc, on va intégrer des nouvelles pratiques. On, ces pratiques-là vont évoluer, donc elles vont changer les modes de production. Donc, euh, c'est un secteur qui change avec le temps. C'est un secteur qui, euh, qui n'est pas homogène comme d'autres secteurs économiques, puisqu'on ne va pas avoir un seul type de structure, on ne va pas avoir un seul mode de production ou encore un seul produit bien identifié. Et, et quand on regarde les différentes filières de, du secteur culturel, on, on voit bien que les problématiques ne sont vraiment pas les mêmes si on est là pour produire un livre, pour organiser une exposition d'art contemporain, euh, pour tourner un film, créer une pièce de théâtre. Euh, à chaque filière, euh, sa problématique. Il y a aussi un enjeu de formation. Et, et si on manque de données, c'est parce que le secteur culturel n'est pas formé euh, et, et, et peu enclin peut-être à cette approche euh, quantitative. Et on ignore souvent les, le, la méthode bilan carbone. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, on, on peut ajouter à ça que la, la culture est un secteur qui est précaire et on n'a pas toujours les moyens, ni humains, ni financiers, d'aller produire ces données, en plus, on va dire, de nos activités de création et de diffusion pour ensuite pouvoir permettre à d'autres de réaliser ces bilans carbone. Et pourtant, on insiste au Shift sur l'importance de, de, de ces mesures parce qu'elles vont permettre ensuite de dessiner des trajectoires de transition qui vont être réalistes, qui sont alignées avec les objectifs des accords de Paris et qui vont être échelonnées dans le temps. Donc, face à cette absence de données, on a été conduit à, à produire nos propres données au Shift à travers des entretiens qualitatifs, mais aussi en faisant nos calculs qu'on est allé vérifier sur des bilans carbone existants. Alors évidemment, j'ai envie de dire que les données sont fondamentales, mais si et seulement si euh, on en fait quelque chose et on s'en sert pour mettre en œuvre une réelle démarche de transition. Alors la méthode shift, c'est d'abord de bien poser le problème. Une fois qu'on a posé le problème, on va produire de l'information pour ensuite mettre un sujet comme la nécessaire transition écologique du secteur culturel à l'agenda politique. L'idée, c'est de générer un débat et d'inviter les acteurs et les actrices à se positionner autour de ces informations qu'on aura produites. Donc, dans ce cadre-là, nous, on identifie cinq axes de transformation qui euh, sont nécessaires pour rendre le secteur culturel bas carbone et résilient. Le premier, c'est la relocalisation des activités. Ça veut dire faire de la culture un moteur pour la transition euh, locale à travers tous ces besoins euh, que j'ai identifiés tout à l'heure. Évidemment, cette relocalisation des activités euh, ne vient pas mettre un terme à la circulation des idées, euh, puisqu'on sait que cette circulation est nécessaire euh, pour la bonne oxygénation de nos démocraties et euh, la circulation de nos imaginaires pour notre émancipation. Mais ce qu'on dit ici, c'est qu'il faut penser la matérialité de la circulation de ces idées et de ces imaginaires autrement. Le deuxième axe qu'on propose, c'est le ralentissement. On peut ralentir de plusieurs manières. On peut systématiser la mutualisation euh, d'une tournée. On peut ralentir en augmentant la durée euh, d'exposition de, euh, des œuvres dans chaque musée. On peut aussi ralentir en encourageant la recréation des œuvres à l'étranger plutôt que leur tournée. Le troisième axe qui est euh, très important aussi, c'est la réduction des échelles pourquoi? parce que euh, on a constaté que on était dans un modèle depuis euh, quelques dizaines d'années euh, de dévénementialisation et de quête de puissance, euh, qui est vraiment le moteur euh, de, du développement culturel, qui est finalement euh, basé sur, euh, sur une logique de croissance et notamment une croissance de ces jauges. Euh, sauf que euh, on, on constate que cette croissance là, elle va avoir des effets, un effet boule de neige qui semble assez difficile. Euh, de freiner. Euh, on pense aussi que cette, euh, cette réduction des échelles va permettre de renforcer la diversité euh, culturelle en redistribuant des ressources qui sont souvent concentrées dans les mains de quelques acteurs qui sont les mêmes acteurs qui vont avoir euh, une, un impact carbone le plus important. Et cette concentration-là, qu'est-ce qu'elle fait Elle va conduire à l'homogénéisation euh, de, euh, euh, de nos créations culturelles. Le quatrième axe euh, qui nous semble fondamental, c'est l'éco-conception des œuvres. C'est une, une question très matérielle, mais aussi une question philosophique, parce qu'on va se demander euh, qu'est-ce qu'on regarde, euh, quels sont les critères de jugement euh, esthétique qu'on va employer pour observer une œuvre. Est-ce qu'on va être capable d'apprécier encore une œuvre euh, dont on sait que la création elle-même est destructrice et enfin, le dernier axe qu'on propose, non des moindres, c'est le renoncement. Pour imaginer une culture résiliente, on pense qu'il faut renoncer à certaines pratiques qui sont déjà en cours, comme cette quête de puissance dont je parlais tout à l'heure, cette croissance infinie des jauges, mais aussi renoncer à certaines opportunités technologiques que l'on jugera carbonées et qui sont en train de se développer dans le secteur, comme c'est le cas de la réalité virtuelle, par exemple. Alors, on remercie Anaïs Roeich, qui n'est pas avec nous, pour cette introduction euh, au sujet, avec euh, des propositions euh, méthodologiques. Ce sur quoi le Shift Project insiste beaucoup, c'est la nécessité d'abord de mesurer euh, l'empreinte carbone et sur la difficulté qu'il y a à, à mesurer l'empreinte enfin, carbone et écologique du secteur des industries créatives en raison de la diversité des activités. Euh, Anaïs propose aussi des, des, actes, des axes de transformation un peu plus euh, radicaux, dont on pourra discuter euh, peut-être plus tard dans la table ronde, comme euh, le renoncement ou le ralentissement, du moins. Euh, mais euh, on, on y reviendra euh, plus tard. Pour le moment, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de, de vous entendre tous. Donc, je suis ravie de, que vous soyez euh, présents. Merci à tous de participer à cette table ronde sur euh, vos secteurs respectifs, sur vos activités respectives. Déjà, quelle vision. Euh, euh, vous avez de, de l'état euh, du secteur et euh, des, des perspectives pour la transition écologique. Donc je vais vous interroger chacun votre tour déjà, puis ensuite on, on se en lancera dans une discussion euh, collective. Euh, je vais commencer par donner la parole à, à Pascal Lenoir, qui est donc euh, président euh, de la commission environnement et fabrication du syndicat national de l'édition et directeur de la production aux éditions Gallimard, qui donc euh, à ce titre a une perspective assez globale sur le euh, secteur de l'édition et qui est engagé depuis euh, longtemps sur la question euh, écologique. Donc Pascal, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît vous présenter et puis euh, nous donner une vision des défis propres au secteur de l'édition face à la transition écologique Alors bonjour. Ça marche, il n'y a pas de retour. Bon, voilà. <laughs> euh, bonjour et puis merci euh, d'abord de nous accueillir sur une, une thématique aussi importante, je pense, aujourd'hui. Donc, euh, je suis Pascal Lenoir. Donc, vous l'expliquiez, euh, responsable de production, euh, animateur d'un groupe de réflexion et de partage d'informations autour du, de l'environnement et de sa production de livres au niveau du SNE, donc le Syndicat National de l'Édition. Euh, alors, j'ai un parcours un peu particulier. Et qui me permet de passer d'un camp à l'autre, puisque j'ai été imprimeur, j'ai travaillé dans la presse, j'ai travaillé dans la com, et donc d'avoir, c'est vrai, et de par, pouvoir partager avec mes autres confrères et collègues un parcours un peu atypique et étant passé dans l'industrie. Les, les enjeux de la transition environnementale au, au niveau de l'édition, on l'a engagé en fait euh, depuis un temps certain. Euh, on a une chance fabuleuse, c'est qu'on a une matière première, entre autres pour le livre papier, qui est renouvelable et recyclable. Et donc depuis les années 90, où ont été mis en place des certifications comme FSC ou PEFC que vous connaissez peut-être, qui permet une traçabilité de la parcelle où a été produit le bois jusqu'à sa transformation finale en, en tant que livre. Donc on a une capacité de, de au moins de, de, se, de se poser sur des, des certifications qui nous permettent de dire le papier que nous utilisons provient d'une euh, ressource durable. Ensuite, recycler, évidemment, le papier, où tout le monde sait euh, que c'est recyclable. Donc tout ce qui est déchet sur toute la chaîne de production, évidemment, industriellement, est retraité derrière. Donc les enjeux, c'est euh, d'avoir des grosses maisons, des petites maisons, et puis euh, d'être dans le milieu de la culture, donc, où euh, c'est vrai que la, le, le sujet est plutôt porté sur l'œuvre le, le, ou le thème. Euh, qui va être abordé euh, plus que sur sa contrainte environnementale au, lieu, euh, au niveau de la production. mais euh, c'est essentiel et on le voit, on a une chance euh, donc d'avoir une filière graphique qui s'est aussi penchée sur le sujet, donc on a des certifications et c'est là au niveau de la mesure où euh, on a peut-être voilà des, des petites choses qui nous ont permis d'avancer. C'est vrai que le fait de pouvoir chiffrer les choses permet vraiment de pouvoir se, se poser et de pouvoir discuter et dialoguer avec toutes les parties prenantes. Et donc, on, sait, on mesure le, le taux de, de certification de nos papiers, on mesure les certifications industrielles des sites de production, imprimeurs, partout dans le monde où on imprime. Et donc, on a, on a une contrainte. Euh, que l'on sait appliquer à nous-mêmes, à faire évoluer nos fournisseurs pour essayer de, 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 de s'améliorer sur un plan environnemental. Après, il y a les problématiques du marché et des ventes. Et là, il y a une problématique que l'on ne sait pas maîtriser c'est celle de l'appétence euh, ou pas des, euh, des lecteurs à tel livre ou tel autre. Donc, c'est de mesurer la capa notre capacité à devoir fournir un marché. Et donc oui, on est dans un marché de l'offre, donc on distribue des livres vers les libraires, est-ce que l'on va tous les vendre Là, c'est une vraie problématique. Et d'une maison à une autre, d'un livre à un autre, d'une collection à une autre, chaque problème est en fait un problème à lui tout seul. Et donc on a cette difficulté à, à pouvoir mesurer. Pour autant, euh, voilà, ce sont des coûts, c'est de l'environnement, c'est euh, des choses qu'on essaye de, de diminuer. Euh, mais euh, bon, il y a un gros, gros travail à faire. Après, il y a l'urgence. Je pense que voilà le temps on, a, on est dans le temps long dans la lecture et euh, étonnamment le client devient de plus en plus euh, dans le souci d'avoir son livre dans l'heure dans la demi-heure dans la journée et euh, ce qui accélère et en fait segmente énormément nos commandes et donc diminue notre capacité à mieux approvisionner au juste besoin l'ensemble du, du, du marché donc là il y a des enjeux qui dépendent de nous, des enjeux qui dépendent de l'usage de nos contenus. Et c'est là où ça va être intéressant de travailler et de justement de pouvoir participer à des, des moments comme les vôtres pour pouvoir partager nos problématiques et nos contraintes. Là, vous décrivez euh, donc deux, euh, deux problèmes majeurs, enfin, on, on, quand on parle d'écologie dans l'édition, souvent on pense à ce problème de, de surproduction euh, de livres, de rentrée littéraire permanente, qui nous conduit aussi parfois dans la situation euh, du pilon, euh, du coup, qui, ou cette destruction massive euh, de livres invendus. Quelles sont les... Il y a des solutions quand même pour, pour aller vers une... Alors, <laughs> a... c'est cette problématique de savoir combien de livres à produire. Vous, voyez, là, vous savez que bon, il y a 15 jours, on a gagné le gros prix Goncourt qui va en librairie aujourd'hui en se disant que peut-être il ne le trouvera pas. Il faut qu'il y soit. Mais combien Combien de personnes vont y aller Il faut que j'ai produit moi à l'avance. Il faut savoir que pour fabriquer du papier, il faut quatre semaines. Pour produire un ouvrage, même quand on est dans un, dans un concours où on sait la date à peu près à laquelle il va tomber, il ne reste plus que quatre ouvrages. On sait que... Bon, mais là, on est sur un concours, par exemple, qui est deux fois supérieur pratiquement à ce qu'est un concours habituel. Il faut approvisionner un papier, il faut approvisionner le libraire, tout le monde en veut tout de suite. Mais est-ce que tout le monde va tout vendre J'en sais rien, à date, je suis incapable de le dire. Donc c'est une vraie problématique. L'autre chose, c'est la surproduction. C'est complexe. Est-ce que c'est de la surproduction ou c'est pas assez de lecteurs? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on peut aussi se poser la question dans ce sens-là. Est-ce que la lecture n'est pas, euh, est-ce que vous disiez en, en introduction, euh, tous les éléments culturels, est-ce qu'ils ne sont pas essentiels à, à notre vie, et est-ce qu'on n'a pas justement à essayer de pousser les gens à les consommer de la culture Alors je sais que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on propose, ce que propose le Shift à diminuer, mais je ne suis pas certain qu'il faille diminuer aujourd'hui les propositions culturelles dans un monde tel qu'on le voit évoluer aujourd'hui. Mais bon, là on passe sur d'autres sujets, mais je pense que tous ceux qui sont là et qui parlent de culture, se pose la question. Est-ce qu'on n'a pas besoin plus de culture aujourd'hui que moins de culture Une dernière question avant de passer à un autre secteur. Alors, effectivement, on va peut-être laisser de côté pour le moment cette question du, du ralentissement de la consommation culturelle et se concentrer sur des, des leviers qui sont propres à la production, à la fabrication et qui, du coup, sont du côté des professionnels. Puisque l'impact euh, principal du secteur de l'édition est au niveau du papier. Euh, Est-ce que ce serait possible de relocaliser la production des livres en France en faisant appel à des fournisseurs français pour diminuer le, le transport Alors c'est un souhait qu'on a tous parce que ça permettrait de réduire les délais d'approvisionnement et donc de pouvoir être dans un circuit beaucoup plus court et euh, qui permettrait d'ajuster euh, mieux le, la production. Le problème, c'est que l'édition ne pèse que 6% de la consommation papier en France. Donc, en fait, là où tout le monde pense que le livre est le gros consommateur de papier, en fait, on est un petit acteur de la consommation papier. Et euh, malheureusement, la France s'est désindustrialisée. Une machine à papier, c'est euh, entre 100 000 et 200 000 tonnes, voire 500 000 tonnes pour les plus grosses machines. L'édition française, c'est 200 000 tonnes. Et tout lecteur que vous êtes, vous avez remarqué qu'on a des couvertures. On a des ouvrages de poche, on a des ouvrages pour enfants. Tout ça, ce sont des papiers différents. Et donc, ce n'est pas une machine qui doit le produire. Donc, en fait, on est amené à s'appuyer sur des papetiers qui vont fournir d'autres euh, secteurs d'activité qui utilisent du papier. Et là, euh, malheureusement, la France s'est désindustrialisée depuis des dizaines d'années. Et des usines à papier en France, euh, là, euh, il y en avait une très grosse qui s'appelait La Chapelle d'Arblay, qui est en train de fermer, qui fabriquait du papier journal. Euh, le papier journal, euh, évidemment, a vu euh, avec l'arrivée du numérique euh, un, un, un ennemi euh, farouche et redoutable. Et euh, qui aujourd'hui va acheter son journal en kiosque Qui est abonné à un journal aujourd'hui, papier Bien, l'usine ferme. Donc euh, là, on a encore un outil industriel qui fabriquait du papier journal, donc du papier recyclé, qui va disparaître. Ok. Bah, merci beaucoup pour euh cet éclairage sur le, le secteur de l'édition, sur lequel on reviendra dans une perspective plus globale dans la discussion. On va changer de secteur. Je vais donner la parole à Johanna Gallardo, qui est responsable des relations institutionnelles au sein de Paris Film France et euh, chargée de mission au sein du collectif Ecoprod. Et donc, qui a une vision assez, euh, assez euh, aiguë de ce qui se passe dans le secteur de la, de la production audiovisuelle et euh, cinématographique. Est-ce que, Johanna, vous pouvez vous présenter et, et présenter euh, euh, les défis écologiques du secteur de l'audiovisuel, peut-être au prisme de l'étude qu'EcoProd a récemment euh, sortie? Alors, ben déjà, euh, bonjour et merci pour, pour cette invitation sur ce sujet euh, très intéressant et, et du coup transversal euh, au secteur culturel. Euh, alors, donc je travaille, je suis responsable des relations institutionnelles à Film Paris Région, qui est en fait la commission du film euh, d'Île-de-France. Et on est membre du collectif Écoprod. Je ne suis pas de chargée de mission Écoprod, euh, mais, mais tout va bien. Euh, donc, Écoprod euh, œuvre depuis 10 ans à la sensibilisation du secteur euh, audiovisuel. Donc, vous imaginez bien, il y a 10 ans, c'était un sujet qui n'intéressait qu pas. Monde à part les acteurs qui ont décidé euh, de rentrer sur ce projet, donc euh, TF1, France Télévisions, le groupe Audience qui est euh, le groupe de prévoyance pour le secteur culturel, euh, la région Île-de-France, le CNC, euh, j'ai dit TF1, et donc euh, Canal, nous a rejoint récemment euh, l'association des commissions du film, la CST, enfin voilà un certain nombre, on est neuf en tout cas autour de la table pour euh, réfléchir euh, à l'impact environnemental. On avait fait une étude il y a dix ans, euh, évidemment en dix ans le secteur a énormément euh, évolué, donc on l'a mise à jour euh, là en novembre. Et le constat est assez, euh, comment dire, euh, <laughs> je ne vais pas dire accablant, c'est un peu dur, mais voilà, il, y a, il y a des vrais objectifs à atteindre. Euh, on l'a évoqué, voilà, on a l'objectif global de moins, 30 pour, enfin, moins 40% pour atteindre en 2030, donc voilà, nos objectifs européens, une neutralité carbone en 2050. Donc à partir de ce cadre-là, on a regardé comment le secteur audiovisuel évoluait. Alors actuellement, il, il, il émet 1,7 million de tonnes CO2 de carbone. Alors c'est peut-être pas très parlant dit comme ça. On n'est pas le, le, le secteur le plus impactant. On est dans les cinq derniers. Je crois que le premier c'est l'audit, enfin le moins émetteur et les premiers ça doit être le transport, euh, euh, le transport aérien. Euh, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on a notre, notre on on droit d'avoir un rôle à jouer. Euh, et surtout qu'on est évidemment un média, donc on est, on est assez visible. Et en fait, ce qu'on se rend compte dans l'évolution de ces chiffres en, en 10 ans, euh, c'est que, euh, donc, il y a évidemment euh, l'impact de la fabrication de l'œuvre, euh, donc de la production à sa diffusion, c'est euh, seulement, on va dire, 20% de ces 1,7 million. Et en fait, ce qui euh, impacte énormément, euh, d'autant plus ces dernières années et encore plus en 2020 avec le confinement, euh, c'est en fait le streaming vidéo euh, qui est à 56% d'impact de CO2. Donc, bah, c'est une évolution de la filière en termes de diffusion d'œuvres. Euh, mais quid Qu'est-ce qu'on fait de, de cet impact et qu'est-ce qu'on fait de ce chiffre Sachant que, euh, en fait, 75 du trafic internet est lié au, au streaming vidéo. Donc, c'est un autre chiffre aussi qui donne euh, l'ampleur euh, de, de l'impact. Voilà, de euh, mais avant d'avoir mis à jour ces chiffres, on avait déjà voilà mis en place des guides pratiques auprès de la de, des professionnels, des guides avec des recommandations poste par poste pour les producteurs, les chefs décorateurs, l'équipe lumière, euh, la régie, la table. Des choses très pratiques, voilà pour pour agir. On met en place depuis deux ans des formations gratuites aussi aux techniciens intermittents pour les sensibiliser à l'écoproduction parce qu'on peut avoir envie de le faire, être voilà, dans, dans, de rejoindre la démarche, mais concrètement, qu'est-ce que ça implique sur le tournage et comment je fais euh, Et en fait, voilà, si on arrivait d'abord à toucher les techniciens et maintenant les, les producteurs de plus en plus s'y mettent. Alors, EcoProd, on est vraiment sur la fabrication. On n'est pas du tout sur le contenu. Ça, c'est important euh, de, de le dire. On est vraiment de, de la phase de développement euh, à la copie zéro, même si on s'intéresse de plus en plus, évidemment, à l'aspect diffusion. Et l'étude euh, le montre. Euh, donc, on a, on a un objectif très précis, en fait. C'est que d'ici 2030, on doit réduire nos émissions euh, de plus de 50%, soit 4. Euh, oui, en gros, c'est 4% par an. Donc, c'est un objectif assez, euh, assez serré. Tout, tout le monde doit s'y mettre. Et c'est vraiment important d'impliquer tous les acteurs de la chaîne. Euh, et finalement, on, on arrive à dire aussi du scénariste, on va, on va sans doute en parler, euh, voilà, à, la, à la diffusion. Et donc d'impliquer les financeurs, euh, les producteurs, les équipes techniques, les prestataires techniques. Euh, donc, de le, on les a, on a lancé une charte de l'entreprise audiovisuelle pour qu'ils rentrent dans une démarche progressive euh, d'amélioration de leur impact. Ce qui crée un réseau aussi de prestataires euh, verts euh, qui évoluent de jour en jour. Euh, voilà. Il n'y a pas un label, il n'y a pas une certification de l'entreprise audiovisuelle, mais euh, certains ont déjà rejoint celui euh, du spectacle vivant Lucie, qui, qui attribue donc une norme. Je sais qu'il y a voilà, des, des grands groupes audiovisuels de diffusion qui s'y mettent. Euh, donc, il y a une véritable évolution. Et en fait. Ça, c'est un objectif chiffré, mais il y a, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il euh, y a le cadre réglementaire là, qui, euh, qui devient de plus en plus contraint. Euh, et donc, si euh, le, la filière ne s'y euh, plie pas, euh, il, y a, voilà, bah, il y a risque qu'il y avoir des, des pertes de parts de marché. On voit les grandes plateformes demander des certifications, demander des garanties. Donc, il faut que les, les productions puissent être en mesure de, de répondre euh, bah, à cette demande de certification. Les grands opérateurs le demandent de plus en plus. Les grandes chaînes qui sont membres du collectif Fécomprod, tf 1 France Télévisions, et Canal ont un responsable RSE et, et mènent euh, euh, beaucoup d'actions en interne pour sensibiliser l'ensemble des structures. Euh, voilà, le, CNC a, 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 le, le président du CNC a, a donné, enfin euh, a signalé comme l'impact écologique de la filière comme une des priorités. Donc voilà, le cadre est là et il faut qu'on qu qu puisse agir parce que il euh, y a aussi un autre élément qui rentre en compte. c'est... Euh, le cadre va impacter sur l'économie et très concrètement, on va avoir un problème de matières premières en fait. Ce que montre cette étude, c'est qu'à la ré réfraction des matières premières qu'on utilise beaucoup dans l'audiovisuel, Monsieur parlait du, du papier, nous on est sur le lithium, le cobalt qui servent notamment à fabriquer des caméras, des batteries, et en fait, bah, ces matériaux vont être de plus en plus rares, coûter de plus en plus cher. On l'a vu, on n'est pas une filière prioritaire, euh, on n'est pas une filière essentielle, peut-être malheureusement, je ne sais pas. Euh, du coup, on aura moins accès à ces matières premières, les, le, voilà, ça va être de plus en plus cher et donc ça va coûter de plus en plus cher de produire. Donc, ne nous accablons pas, réagissons. Et en fait, il y a plein de solutions euh, technologiques qui émergent pour euh, réduire la consommation des caméras. Les LED étaient une première évolution. Et là, il y a une émergence d'innovation technologique qui, euh, qui apparaît. Et donc, nous, on fait tout ce travail d'identification. Pour que le secteur puisse s'en emparer et agir assez vite. Donc il en va vraiment du survie, de la survie du secteur, de se rendre plus, euh, moins dépendant euh, des, des, des ressources euh, euh, naturelles de la planète. Enfin, donc euh... complètement. On est sur des choses très très concrètes et, et ce rapport aux matières premières, moi m'a frappé le lithium, le cobalt. Bon ben voilà, en fait la chaîne. Voilà et il faut avoir cette euh, toujours cette capacité de production parce que le but final, n'oublions pas, c'est de créer des œuvres. Voilà, mais il faut se donner les moyens. J'avais juste une question sur CarbonClap, Clap, qui est votre calculateur carbone développé par EcoProd. Anaïs Roesch le disait dans sa vidéo, c'est vraiment la première étape d'une trajectoire de transition, c'est de pouvoir mesurer son empreinte. Et du coup, cet outil CarbonClap Clap est vraiment assez inédit. En tout cas, je ne crois pas que les autres secteurs des industries créatives aient un calculateur propre à leur secteur. Mais D'après ce que vous dites, du coup, le, il serait peut-être un peu obsolète ou insuffisant puisqu'il ne suffit plus de mesurer l'empreinte carbone des tournages. Il faut aussi prendre en compte euh, bah, l'empreinte écologique euh, générale. Comment vous le faites évoluer et notamment aussi sur la, le calcul de l'empreinte euh, du numérique alors, euh, oui, effectivement, l'outil a 10 ans. Donc, euh, il a été euh, mis à jour régulièrement, notamment pour prendre l'impact euh, post-production. Mais en fait, euh, les évolutions technologiques vont tellement vite qu'il faut déjà le remettre à jour. Donc, euh, donc, donc voilà. Effectivement, ça, ça, ça calcule, on va dire, uniquement l'impact carbone, ce qui est déjà, euh, ce qui est déjà important. Euh, même si euh, voilà, le, la notion de carbone peut paraître assez, euh, assez floue, finalement, euh, c'est des chiffres. Euh, surtout qu'en plus. On ne donne pas euh, d'indication euh, par rapport à des typologies de production. Euh, donc, nous, on s'adresse au documentaire, à l'animation, à la série télé, au long métrage. On ne dit pas un long métrage doit faire moins de 2000 euh, euh, tonnes CO2 carbone, puisque chaque film, chaque œuvre est un prototype. Donc, il n'y a pas de référentiel. C'est juste un outil euh, euh, pédagogique, on va dire, pour mettre en place une stratégie plus globale, comme vous le dites. Donc on peut calculer en amont son impact, mettre en place des bonnes pratiques et ensuite calculer euh, l'impact au final du film. Et on voit sur certains films, il y en a qui ont réussi à diviser par 7 l'impact. Mais effectivement, ça ne suffit pas parce que finalement, euh, euh, on peut rentrer dans une démarche développement durable ou RSE plus globale euh, et prendre en compte la formation de l'équipe, la sensibilisation, euh, le, le, le volume de déchets. Enfin voilà. Donc on, en fait, c'est en cours, l'outil n'a pas encore évolué, mais on est en, en grande discussion pour, pour le faire évoluer parce que maintenant, la, la, la filière est prête. Aussi. Et un exemple de film justement qui aurait divisé par 7 euh, son empreinte euh, écologique En fait, celui dont je parle précisément, c'est euh, alors il est un petit peu ancien mais euh, néanmoins valable. C'est un film d'animation qui s'appelle Minuscule. Euh, voilà, il y a eu le 2 qui est sorti l'année dernière et ils ont établi une vraie stratégie et ils ont divisé par 7 euh, leur, euh, leur émission carbone en, en faisant une étude d'impact avant et, et après. Alors la thématique du film euh, s'y prêtait, mais ça ne veut pas dire que euh, si on ne parle pas d'environnement dans le film, on ne doit pas aussi s'y atteler, ça c'est important. Euh, mais voilà, il y a des séries télévisées comme euh, Baron Noir qui, euh, qui aussi ont, ont gagné, enfin ont sauvé une tonne de déchets euh, en mettant en place des bonnes pratiques. Euh, donc on a aussi de, des exemples récents. Merci beaucoup, on va rester sur le même secteur, mais en changeant complètement de perspective, je vais passer la parole à Magali Payen, qui elle est aussi productrice, vient de ce même secteur mais agit très différemment. Elle a fondé le collectif On est prêt. Est-ce que Magali voulait bien présenter On est prêt, puis aussi peut-être quand même un peu votre trajectoire de ce secteur de la production à la création On en est prêt, parce que je trouve qu'elle est extrêmement révélatrice des prises de conscience qui animent le secteur. OK. Vous m'entendez là oh, Très bien. Euh, alors effectivement, moi initialement, j'ai commencé dans la production cinéma. C'était en 2004-2005. Euh, et mon envie première, c'était véritablement de faire du cinéma à impact sur le modèle de Participant Media aux États-Unis. C'est eux qui ont fait euh, good, good Night and Good Luck, Une vérité qui dérange, euh, et plein de films euh, qui ont inspiré euh, le public à agir. Et en fait, leur modèle, c'était véritablement de donner des outils d'action au moment où le public avait cet élan pour agir, mais ne savait pas comment le faire. Donc, en fait, il y avait toujours un site Internet qui proposait des outils aux au spectateurs pour passer de la vue à l'action. Euh, donc ça, ça a été mon premier modèle en, en 2006, quand j'ai commencé à travailler avec euh, le professeur Younous, qui, était, qui venait d'avoir le prix Nobel de la paix, et puis deux producteurs. Et l'objectif, c'était justement de faire un film sur la vie du professeur Younous pour inviter le grand public en fait, à agir euh, dans le cadre de, du microcrédit et de l'entrepreneuriat social. Et, euh, et donc ça, euh, euh, c'était mon, mon envie à l'époque. Euh, donc j'ai évolué dans la production cinéma euh, au Festival de Cannes chez Canal ⁇ Et chez Canal euh, ⁇ en fait, le groupe a commencé à se développer très fort sur euh, le secteur digital avec euh, la création d'un département qui s'appelait Canal ⁇ OTT, Over the Top, donc pour toutes les activités digitales. Et au même moment, euh, donc on développait euh, les chaînes YouTube, ce qu'on appelle les multi channel network, et on intégrait un collectif de youtubeurs euh, humoristes qui s'appelait Studio Beagle. Donc tout ça, ça s'est fait en même temps en 2013. Euh, à ce moment-là, on m'a pro proposé de m'en occuper en parallèle de mes activités cinéma dans le groupe. J'étais euh, responsable financière de Canal+, fin des activités cinéma de Canal+. Et, euh, et donc là, en fait, en m'intéressant... À ce secteur du digital, je me suis rendu compte à quel point, sur les problématiques qui m'émeuvaient, à savoir euh, l'urgence climatique, euh, l'urgence euh, biodiversité, euh, sur, donc sur tous ces sujets nouveau monde entre guillemets, eh bien Internet avait une capacité de frappe gigantesque. Euh, C'est-à-dire que par rapport au cinéma, c'était beaucoup plus rapide beaucoup moins cher, beaucoup plus ciblé en termes euh, d'audience. Et donc là, je me suis dit, on ne peut pas passer à côté de cet outil, il faut l'utiliser dans toutes ses capacités en complément du cinéma, des documentaires, des séries et de la télé. Donc à ce moment-là, en 2013-2014, euh, j'ai eu ce déclic vis-à-vis euh, -vis de, de cet outil-là. Et, euh, et c'est il y a deux ans. Que euh, je suis enfin euh, passée à l'action pour euh, créer ce qui j'ai jamais en moi depuis euh, des années, à savoir euh, ce mouvement On est prêt. Et en fait, l'objectif de, de ce projet, la raison d'être de ce projet, c'est de créer un écosystème pour les créateurs, euh, pour coordonner les créateurs entre eux, avec des experts et avec des faiseurs sur le terrain, dans l'objectif de mobiliser. Les spectateurs sur les sujets Nouveau Monde, à savoir environnement et société. Et alors, donc le, le mouvement On est prêt, je ne sais pas si, si vous le connaissez dans l'audience, c'est très lié à l'affaire du siècle, euh, ce procès contre l'État pour inaction climatique. Et, euh, et en fait, le mouvement On est prêt, il est né d'une première campagne euh, climat euh, qui, fin 2018, a réuni près de 130 personnalités qui avaient chacune des réseaux sociaux à plusieurs millions d'abonnés. Euh, plusieurs millions ou plusieurs centaines de milliers pour certains. Et en fait, l'idée derrière cette première campagne, c'était de se dire euh, qu'il y a une véritable cacophonie dans les médias. C'est très difficile de faire passer un message, de faire passer un sujet parce qu'on est noyé sous l'information. Et donc le premier pari, c'était de se dire, si on se coordonne, si on coordonne tous ces porte-paroles-là, est-ce qu'on va réussir à sortir du brouhaha et à créer euh, une musique audible, euh, qui, qui soit entendable et qui, qui surmonte justement ce, ce, cette cacophonie euh, Donc, la campagne, elle a commencé à, à se mettre en place six mois plus tôt, et six mois plus tôt, il y avait une quinzaine de créateurs, euh, puis il y a eu la canicule au mois de juillet qui. Euh, a permis de rassembler euh, jusqu'à 30, 40 créateurs, puis la démission de Nicolas Hulot euh, fin août. Et en fait, au moment où on a lancé la campagne en, en novembre, il y avait à ce moment-là euh, plus de 60 euh, YouTubers. Donc je dis créateurs pour pas dire YouTubers hein, euh, ou Instagrammeurs, il voilà, faut bien le savoir. Et, et en fait, l'objectif de cette campagne, initialement, c'était de capter euh, cet espace médiatique entre le rapport du GIEC euh, qui sortait en octobre et puis la COP23. Et, et de, grâce à une campagne, mobiliser un maximum de personnes autour d'une action commune. Et en juin, quand on a commencé à réfléchir à cette campagne, s'est posé la question de l'action. Pour que ce ne soit pas un coup dans l'eau, étant donné l'urgence, qu'est-ce qu'on faisait d'intelligent pour véritablement faire bouger les choses Donc la manière dont on a construit la campagne, c'est qu'on a voulu euh, euh, s'adresser au grand public, pas aux militants, donc aller chercher de nouvelles personnes. Et en fait, les études cognitives montrent que pour aller chercher ces nouvelles personnes, eh il fallait s'adresser à eux plutôt sur le mode de la joie et de la surprise, et non pas sur le mode de, de la colère et de l'indignation, comme euh, ce qu'on fait vis-à-vis -vis des militants. Euh, et la manière dont on a construit la campagne, je ne sais pas si vous l'avez vu et si vous vous en rappelez, euh, ça a été euh, de manière assez ludique, malgré la gravité du sujet. C'est-à-dire qu'on a lancé un grand défi sur 30 jours, où pendant 30 jours, euh, un défi était lancé à l'ensemble des communautés. Donc, le premier jour, c'était je vide ma boîte mail, je nettoie ma boîte mail parce que Internet, c'est l'équivalent du sixième pays au monde en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre. Euh, le deuxième jour, j'adopte une gourde et j'arrête les bouteilles en plastique. Et ainsi, crescendo, jusqu'au grand défi final, qui était euh, l'affaire du siècle. Euh, parce qu'à ce moment-là, l'idée, c'était de dire bon, ben, on a agi à notre niveau. C'est certes nécessaire. Euh, on a fait ce qu'on pouvait. On a montré qu'on était en cohérence avec ce qu'on prenait, mais ça n'est pas suffisant. Donc maintenant, on s'adresse à l'État euh, qui lui aussi doit prendre ses responsabilités. Et donc, euh, à ce moment-là, c'est quatre ONG, notre affaire à tous, Greenpeace, la Fondation Nicolas Hulot et Oxfam, qui avaient construit en quelques semaines un dossier juridique pour attaquer l'État en justice. Voilà. Donc le mouvement on est prêt. Il est né euh, comme ça. Euh, et en fait, l'objectif, il est double. Il est d'une part de mobiliser le public le plus large possible sur des actions très concrètes pour faire advenir une nouvelle société. Moi, je crois véritablement qu'il faut changer de paradigme. Donc, mobiliser le public le plus large possible. Et le deuxième axe, c'est accompagner les, les acteurs culturels, les leaders culturels pour changer de récit. Changer de récit et euh, nous permettre euh, de se projeter dans des... Utopie lucide, j'appelle ça parce qu'aujourd'hui, on est dans une crise de l'imaginaire qui nécessite qu'on puisse inventer un futur euh, afin de commencer à le créer dès aujourd'hui. Voilà, donc on travaille vraiment sur ces deux niveaux-là, à la fois la mobilisation et euh, la fabrique de nouveaux imaginaires. Et alors, c'est quoi le, le récit dont nous avons besoin aujourd'hui et que doivent collectivement créer les industries créatives pour qu'on aille vers un futur souhaitable C'est quoi le, le récit le plus puissant pour la transition oui. Bah alors, euh, en termes de récit, il y, y a deux niveaux. Il y a euh, effectivement imaginer un futur souhaitable et puis mettre en évidence les solutions qui existent déjà aujourd'hui. Il y en a énormément. Et en fait, c'est surtout une inversion de, de valeur qu'il faut opérer. Euh, en fait, là, pendant le, le premier confinement, on a énormément parlé du monde d'après. Il y a eu une grande ébullition à ce niveau-là. Et en fait, euh, très rapidement, ça a chuté. Et là, il y a une étude qui va sortir en janvier sur le sujet qui va montrer qu'en fait, toutes ces références au monde d'après, en fait, ont été très éphémères et que ça a été comme une bulle qui a éclaté. Et en fait, l'enjeu, là, c'est de continuer à mobiliser les acteurs culturels sur ce à quoi peut ressembler ce, ce nouveau monde. Il euh, y a des études très intéressantes qui ont été proposées par euh, Pablo Servigne, Dominique Bourg, qui ressemblaient un petit peu à des programmes politiques hein, par moment. Mais en fait, l'objectif, c'est d'avoir un projet de société commun. Et dans, dans ce projet de société, une des choses fondamentales, c'est de questionner euh, son rapport au vivant. Donc de remettre le vivant au cœur des choses. Euh, quand je parle du vivant, c'est aussi les limites planétaires. Et c'est le vivant sous toutes ses formes, c'est-à-dire euh, l'humain, euh, les animaux, les plantes, et, euh, et ça vient questionner donc euh, notre capacité à euh, faire civilisation sans déchets. Donc comment on, on réussit à créer une économie euh, euh, circulaire quelque part euh, Comment on réussit à créer une économie, euh, une société qui capte plus de CO2 qu'elle n'en émet donc là, il y a un rapport qui s'appelle le rapport Drodin, qui sont des scientifiques de plein de pays, euh, depuis les États-Unis, qui ont proposé des solutions euh, euh, à ce niveau-là, des solutions pour les collectivités, les États et les entreprises. Donc je vous invite à regarder, à regarder ce rapport euh, Drodin. Et puis, d'un point de vue euh, de récit culturel, euh, il y a un enjeu autour de la consommation, euh, et puis de, des thématiques de sobriété et de frugalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rend heureux il y a beaucoup de gens qui se sont que questionnés pendant le, le premier confinement et qui se sont rendus compte qu'en fait, ce qui leur manquait terriblement, c'était le rapport à l'autre et c'était le rapport à la nature. C'est-à-dire qu'à Paris, les gens euh, cherchaient le moindre carré de pelouse. Enfin, euh, euh, c'était vraiment un, un manque physique. Donc là, il y a une prise de conscience euh, chez certains de cette nécessité d'être en connexion avec la nature et en connexion avec l'autre, l'autre que ce soit euh, l'humain, l'animal, euh, voilà. Et puis, il euh, y a eu un effet inverse, qui a été que quand euh, les magasins ont rouvert, on a vu euh, des files de gens devant McDo, euh, devant Zara, euh, pour s'acheter euh, euh, enfin, des choses. Et c'était un besoin qui venait euh, combler euh, quelque chose chez eux. Et donc, en fait, il y, y a un énorme travail à faire à ce niveau-là sur euh, le rapport à la consommation, le rapport à l'argent. Voilà, je crois véritablement qu'il faut venir travailler ça. Bah, merci Magali, ça fait une excellente transition. Euh, je vais présenter donc Marilyn Pellerin, qui est Inside Director au sein d'Ivandi Brand Marketing, et qui va nous parler justement de, de cette partie prenante hyper importante dans la transition, que sont les, les consommateurs culturels ou les publics ou les usagers. Euh, Qu'est-ce qu'ils attendent euh, aujourd'hui des marques Est-ce qu'ils attendent euh, plus de responsabilités Est-ce que euh, Marilyn, vous pouvez vous présenter présenter l'étude Meaningful Brands Bonjour à tous, euh, donc, je suis ravie d'être là avec vous pour discuter te, de, de, de ces sujets. Effectivement, euh, donc moi je travaille au sein de Vivendi Brand Marketing, donc, je, je ne suis pas en charge de la communication de Vivendi, je ne suis pas en charge du RSE chez Vivendi, je tiens à le préciser. Je suis vraiment là pour parler de, de, de ce qu'on observe nous euh, au sein des, euh, des différents groupes de citoyens consommateurs à travers le monde, euh, et euh, notamment via une étude en fait qu'on mène, donc Meaningful Brands. Donc, je vais Peut-être de temps en temps glisser certains mots anglais, je suis désolée, on travaille toujours sur cette étude en anglais, donc je m'excuse par avance, je vais essayer de le faire le moins possible. Euh, et donc, ça, c'est une étude qu'on mène euh, depuis dix ans. Euh, et effectivement, il y a dix ans, il y, avait encore, il y avait très peu d'études qui s'intéressaient au sujet de, du rôle des entreprises et des marques euh, d'une façon euh, assez large dans la vie des citoyens, c'est-à-dire euh, aller au-delà pour une entreprise et une marque de juste offrir un bon produit, un bon service. Mais quel est le rôle de cette entreprise ou de cette marque dans la vie euh, des citoyens au quotidien euh, et dans la société. Donc, c'était assez assez innovant il y a dix ans. Euh, effectivement, ça n'intéressait pas grand monde <laughs> il y a dix ans euh, quand on quand on en discutait avec euh, avec des différents acteurs. De D'autres industries d'ailleurs. C'est une étude qui va au-delà de l'industrie culturelle, euh, du divertissement. On travaille aussi avec des marques de la grande consommation, euh, d'autres de, de, de industrie, industries. Euh, donc ces questions-là étaient encore très, très mineures. Et euh, ce qu'on observe, c'est que euh, là, dans les dernières éditions euh, qu'on a menées de cette étude, donc c'est une étude qu'on mène tous les deux ans, euh, et ce qu'on observe, c'est qu'il y a un vrai intérêt euh, de la part de, des publics, euh, donc marques, entreprises, mais aussi dans nos résultats, on voit une vraie tendance de fond d'un intérêt des citoyens, des consommateurs pour ces sujets environnementaux, euh, sociétaux aussi de façon assez générale, d'un engagement euh, des, des marques et des entreprises sur ces sujets euh, liés à l'environnement, à la société. Euh, et c'est assez intéressant de voir qu'il y a vraiment, euh, depuis deux ans particulièrement, euh, une, vraie, euh, un, une vraie croissance euh, de l'intérêt de ces sujets et euh, aussi de l'impact. Que, euh, le, le, que ça a sur le business, en fait, sur euh, les résultats des entreprises. Okay. Euh, donc là, je vais juste citer quelques, quelques chiffres qu'on a nous, dans, dans l'étude Meaningful Brands. Euh, ce qu'on observe, en fait, sur l'industrie euh, du divertissement et l'industrie culturelle, c'est qu'il y a une corrélation très nette entre euh, l'impact, enfin le rôle, en tout cas la performance perçue de, de l'industrie de, de sur euh, cet effort environnemental et les résultats, en fait, euh, business de, euh, des entreprises. Euh, on a 41 de de corrélation en fait, entre cette performance environnementale et la performance des entreprises et euh, ça reste euh, ça reste évidemment pas euh, la raison pour laquelle euh, un citoyen, un consommateur va acheter un produit culturel plutôt qu'un autre, évidemment, c'est parce que euh, c'est euh, un livre de tel auteur ou un film, etc. C'est vraiment le contenu qui va les intéresser. Euh, mais ça reste un levier de différenciation euh, quand même important entre euh, les différentes entreprises qui sont présentes sur le marché. Euh, et on voit que c'est vraiment, euh, vraiment en croissance. On a cette, euh, ce, ce, cette performance environnementale des entreprises qui est en croissance de plus de 20%. Euh, par rapport à, à 2019, donc on a vraiment vu un, une croissance assez importante. Et là, on est en train de euh, travailler sur les tout nouveaux résultats de la vague qu'on a conduite euh, donc cet été, euh, donc, donc 30, dans 30 pays à travers le monde, euh, et on couvre donc toujours toutes ces euh, notions de euh, Qu'est-ce que les marques, les entreprises doivent vous apporter à vous au quotidien Est-ce que c'est un bon produit Est-ce que c'est vous améliorer votre vie au quotidien Est-ce que c'est travailler pour le bien-être de la société, pour avoir un monde, un monde meilleur Et ce qu'on observe, c'est que cet engagement des entreprises pour euh, une, une, un monde meilleur et vraiment travailler sur cette, ces dimensions environnementales, c'est encore en croissance. Donc on, on observe encore d'année en année euh, une croissance importante de ces attentes d'action environnementale de la part des entreprises et des acteurs euh, du milieu euh, de, 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 de industrie, des industries créatives et culturelles et du divertissement. Euh, et là, ce qui est intéressant de voir euh, cette année et qu'on n'avait pas vu encore euh, dans les années précédentes, c'est que euh, les consommateurs attendent des entreprises qu'elles agissent, qu'elles qu 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 fassent en sorte de, de limiter leur, euh, leur production de, de gaz, leurs émissions de gaz à, à effet de serre, que finalement dans le processus de production euh, il y a des efforts qui soient faits et ce qu'on observe et vraiment ce qui est nouveau c'est que euh, les citoyens les consommateurs attendent aussi que des outils soient mis à leur disposition pour être eux-mêmes acteurs du changement et que c'est vraiment un nouveau euh, c'est une vraie tendance qu'on observe cette année euh, c'est que euh, ce n'est pas seulement euh, un, une sous-traitance, on va dire, euh, du travail qui doit être fait euh, pour améliorer, pour faire des efforts sur l'action environnementale euh, au sein des entreprises, de, 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 des industries créatives et culturelles, mais c'est vraiment euh, permettre aux citoyens de prendre le pouvoir et de vraiment devenir acteurs du changement. Euh, et les entreprises doivent, doivent, doivent devenir vraiment des facilitateurs, en fait, de cette action euh, citoyenne. Et donc ça, je trouvais ça vraiment... C'est quelque chose d'assez nouveau, en fait, qu'on avait encore pas vu de façon aussi évidente euh, dans les résultats jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est une partie des études qu'on a conduites, et effectivement, on a conduit d'autres études, euh, notamment pendant le confinement, euh, et euh, dans la foulée du confinement, pour voir euh, qu'est-ce que ça avait changé en fait, dans les attentes des, 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 des citoyens. Et euh, spontanément, euh, ce, qu ce, qu ce qui ressort dans les résultats, c'est que euh, les, les citoyens nous disent... Euh, finalement, cette crise, ça m'a permis de me rendre compte de ce qui était important et euh, je vais faire plus attention à l'environnement. Euh, 42%, pour, 42 des, des citoyens nous disent euh, je vais faire plus attention à l'environnement à l'avenir, je vais faire plus attention à ma santé, évidemment, et je vais faire plus attention à ma communauté et plus attention à euh, ma, ma communauté locale, vraiment tout ce qui se passe euh, très, très près de chez moi. Donc on voit que ça, ça, ce, ce, cette crise et les différentes crises qu'on a vécues cette année, euh, ça a eu un, un, un effet accélérateur de tendances qui existaient, donc c'est pas ça n'a pas complètement tout, tout bouleversé, mais ça a accéléré des tendances préexistantes. C'est vraiment intéressant de pouvoir mesurer, chiffrer comme ça cette corrélation entre performance environnementale et, et performance business. Du coup, ça me donne un, une façon d'ouvrir la discussion à vous tous. Euh, si les attentes des, des consommateurs évoluent, est-ce qu'à votre avis, serait prêt à payer plus cher, par exemple, est-ce qu'ils ce qui qu serait prêt à payer plus cher un livre fabriqué en France, ou est-ce que le fait qu'un film Communique sur son empreinte, sur l'empreinte écologique de son tournage serait un, un critère différenciant selon vous. Alors je sais que vous êtes, vous lisez pas dans la dans la tête des, des consommateurs culturels, mais qu'est-ce que vous percevez par rapport au, au marché Est-ce que c'est des réflexions qui seraient qui soient en cours, soit au sein de l'édition, soit au sein de l'audiovisuel de pouvoir de mieux communiquer sur l'empreinte écologique du produit culturel vers le consommateur comme un, un levier de différenciation. Je commence. Euh... Je ne sais pas le choix du spectateur, ça je ne suis pas dans sa tête effectivement, surtout que là il y a pléthore d'offres, il y a une guerre des prix aussi en termes de plateforme, donc c'est un peu un sujet à part, mais ça rentre dans le... Voilà. Euh, non, je pense que par contre, nous, on, on travaille effectivement à la notion de... De certification ou de labelliser les films qui sont éco-conçus. C'est un petit peu complexe parce qu'il faut pouvoir le mesurer avec des indicateurs fiables, mesurables et que, et que quelqu'un vérifie derrière aussi. Il y a la notion de vérification et d'éviter le greenwashing parce que ça, je pense que le, 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 le spectateur, consommateur, client euh, va y être de plus en plus sensible, à mon avis. Mais je pense que ça va être euh, très bien reçu si effectivement on a ce genre de, de label avant la, à la fin des génériques. Alors je ne sais pas qui lit maintenant jusqu'au bout les génériques mais voilà, on peut, on peut. moi je pense, je, je pense que les gens vont y être sensibles, tout comme on est sensible en tant que consommateur à, euh, à la façon dont les marques produisent et font, donc je pense que oui, on va y arriver euh, On a déjà euh, quelque chose qui existe qui s'appelle l'achevé d'imprimer à l'arrière de chaque ouvrage vous avez le lieu de, de production de, des livres et donc c'est déjà fait sur chaque ouvrage, c'est une obligation légale d'ailleurs donc, vous avez le nom de l'imprimeur, le lieu, et, et, et parfois même l'adresse de l'imprimeur. Donc, il euh, y a une appétence, oui, à, à vouloir, euh, mais pour tout le monde, hein, ré, relocaliser de l'impression. Le souci est quid de la volonté des gens à aller travailler en usine C'est une question que je pose souvent c'est euh, à un enfant, qu'est-ce que vous leur proposez aujourd'hui comme étude on veut industrialiser, on veut de l'industrie. Aujourd'hui, ce que je vois chez les industriels qui doivent embaucher, ils ont de plus en plus de difficultés à trouver des employés et des ouvriers pour travailler en usine. Donc, entre le souhait du consommateur et la, 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 les choix de vie derrière, il va y avoir des vrais choix à faire. Si on veut relocaliser l'impression, oui. Mais il y a des choses qu'il va falloir monter, c'est-à-dire des usines, et que des gens euh, se mettent à, à accepter de travailler en usine. Pour autant, il y a quand même une grande partie des ouvrages qui sont fabriqués en France, entre autres la littérature générale et une partie du poche, est fabriquée en France. Les ouvrages qui, en fait, sont sous-traités sont des ouvrages généralement très compliqués et qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre euh, et des complexités en, en, en façonnage, comme les beaux livres, etc., et où là, d'autres pays européens, euh, je, bon, après il y a les livres jeunesse qui vont là beaucoup plus loin parce qu'il y a de l'électronique souvent embarquée ou des choses comme ça, mais juste simplement avec de la reliure un peu compliquée, on est amené en fait malheureusement, même quand on passe par un imprimeur français, de devoir faire la reliure à l'étranger parce qu'on n'a plus le tissu industriel suffisant. Donc euh, il va falloir passer par la formation, retrouver une attractivité à cette filière graphique qui souffrent beaucoup en ce moment, euh, et, euh, et de, bon, de, de pouvoir avoir des outils qui nous permettent de, de produire dans la qualité et, et localement. Merci. Je me pose la question en particulier des, euh, des publics jeunes, des, euh, des, des usagers culturels jeunes. Est-ce que, euh, Marilyn, dans l'étude menée, s'est accentué cette attente envers des marques responsables du côté des... Les jeunes. Effectivement, on voit euh, une tendance, euh, des tendances très nette qui se, qui se dessine en fonction des, de l'âge euh, des répondants et euh, de la situation familiale. Euh, en fait, on voit que sur les, les populations euh, les plus âgées, euh, donc on va dire euh, à partir de 50-55 ans, il euh, y a finalement un status quo. Il n'y euh, a pas forcément de volonté de changement. Il euh, n'y a pas d'attente. Euh, enfin, C'est en croissance, mais ce n'est pas là où on voit le plus d'attente. Ce qui est intéressant, c'est de regarder sur les populations un peu plus jeunes, où là, vraiment, il y a une vraie, euh, des, une vraie attente euh, sur le, les, dimensions, les dimensions environnementales, que ce soit au sein des, euh, des foyers avec enfants ou des très jeunes. Euh, là, on a des petites nuances ent entre les foyers avec enfants et les plus jeunes, euh, on va dire les, 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 ceux qui sont encore étudiants, euh, qui n'ont pas, pas d'enfants euh, au foyer. Euh, sur les, 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 les familles, donc euh, les foyers avec enfants, on va être sur quelque chose de plus, euh, de plus individuel. Ça va être un peu plus sur euh, je, j'attends euh, vraiment euh, d'avoir un bien-être pour moi, pour ma famille, ma santé avant tout, l'environnement finalement, mais c'est dav davantage pour moi finalement. Euh, donc c'est très la consommation bio, etc. Tout ça, c'est un peu dans cette, cet univers familial euh, avec enfants. Et euh, chez les plus jeunes, euh, donc là, des, des, donc plutôt étudiants sans enfants, là, on observe donc une, une, énorme, une énorme attente d'action euh, euh, pour vraiment un, voilà, avoir un, un, une vraie, euh, un vrai effort environnemental de la part des entreprises. Et eux-mêmes en fait veulent s'y mettre et ils veulent vraiment agir pour euh, la planète, pour euh, la communauté euh, et ils sont vraiment dans l'action, dans le physique, alors que les, les, les familles avec enfants sont plus dans quelque chose de digital, hein, plus à distance. Donc on observe des tendances quand même assez euh, assez différentes en fonction des euh, situations, on va dire familiales et de l'âge euh, des consommateurs. C'est une donnée qui me paraît importante parce que c'est quand même un vrai enjeu pour les industries culturelles et créatives, le, les publics jeunes qui sont quand même les futurs euh, les futurs acheteurs, les futurs lecteurs, les futurs euh, Personne qui vont remplir les salles de cinéma, est-ce que Magali, c'est aussi parce que le choix de YouTube, le choix de, des modalités d'action de On est prêt, est-ce que c'était stratégiquement aussi pour aller euh, chercher des publics jeunes et est-ce que vous percevez euh, un engagement particulièrement fort euh, voilà, chez les jeunes Alors, euh, oui, la stratégie c'était clairement d'aller chercher un public jeune euh, en étant sur euh, Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. Euh, à l'époque, on n'était pas encore sur Snapchat et TikTok. Euh, Facebook était déjà vieillissant, mais pas au autant qu'aujourd'hui. Donc, c'était principalement un public euh, 15-35 ans. Et en fait, euh, ce dont on s'est rendu compte avec euh, la campagne, c'est qu'en en ciblant en fait ce, ce public-là, c'était notre euh, seule cible et principale cible, euh, la campagne a fait tellement de bruit, a touché tellement de, de monde, qu'en fait, euh, les médias traditionnels euh, s'y sont intéressés, et ça a permis euh, Justement, grâce à l'intérêt des médias traditionnels, de toucher les parents et les grands-parents. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Et en fait, euh, on a aussi retrouvé le même effet de pédagogie inversée, c'est-à-dire que les enfants, en ont, les ados en ont tellement parlé à leurs profs, à leurs parents, qu'il euh, euh, y a eu une transmission euh, d'eux vers les plus âgés. Et on a eu énormément de profs qui nous ont sollicités euh, sur ce sujet-là. Alors, l'autre public qu'on avait, enfin, l'autre cible qu'on avait, c'était euh, les créateurs, donc les youtubeurs et les instagrammeurs, qui eux aussi sont très jeunes. Et euh, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur les marques euh, responsables. Euh, pour nous, il y a un véritable enjeu à ce niveau-là aussi. Parce qu'en fait, euh, ces jeunes se retrouvent avec une influence considérable. Ils sont suivis par euh, des millions de, de personnes pour certains. Or, euh, ils ont eux-mêmes commencé très jeune dans un business qui se structurait, qui était tout juste naissant, euh, sans business model à l'époque. Et en fait, euh, ils ont accepté ce qu'on leur a proposé à l'époque et ils se sont retrouvés à construire leur carrière avec des collaborations, avec des marques euh, euh, style euh, McDo, Coca-Cola, euh, tout ça. Et. Aujourd'hui, euh, ce qui leur est reproché, c'est que quand ils essayent de prendre la parole sur des sujets écolos, en fait, on leur reproche, d'une part, ces collaborations-là et leur manque de cohérence. Donc, pour nous, c'est un enjeu super important à deux niveaux. Euh, d'une part, euh, Faire switcher en fait, ce business model-là, c'est-à-dire qu'il est possible de travailler avec des entreprises plus éthiques. Encore faut-il les trouver qu'elles aient le budget, mais c'est du win-win parce que plus on les aide et plus elles vont avoir de, de parts de marché et donc de budget. Euh, donc, véritablement faire switcher le, le business model du brand content en France. Hein. Euh, et puis, euh, pour les, les créateurs qui incarnent ce propos, il y a euh, ce blocage de la légitimité, c'est-à-dire on ne peut pas prendre la parole sur ces sujets tant qu'on n'est pas légitime. Mais alors qu'est-ce que c'est que la légitimité Et aujourd'hui, qui est légitime euh, Si on va dans cette logique-là, il faudrait attendre d'être euh, super pur dans ses actions pour euh, être légitime. Or, aujourd'hui, euh, euh, que ce soit les scientifiques, les militants, euh, les experts du GIEC, aucun d'eux en fait n'a une euh, empreinte carbone euh, neutre voire négative donc dans ce cas là personne ne peut prendre la parole sur ce sujet euh, donc il faut vraiment faire exploser en fait ce, euh, ce, ce piège de euh, la, la légitimité et du fait de devoir absolument être parfait pour prendre la parole et pour agir parce que à cause de ça personne ne le faisait et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu faire exploser aussi pendant la première campagne c'est de dire euh, tout le monde, Vulnérable, tout le monde est imparfait et euh, avec tout ça, on cherche à progresser, on cherche à faire mieux et on agit malgré tout et on prend la parole malgré tout. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voilà, qu qu continue à apprendre qui est important pour nous. Euh, Magali, vous avez évoqué la question du modèle économique et ici, on, on est chez Paris Co., on parle d'innovation, on, on parle de création de valeur aussi, de développement économique. Est-ce que, euh, selon vous, vous tous, euh, la transition écologique, elle est, elle est conciliable avec les impératifs économiques qui sont celles des entreprises ou des secteurs pour lesquels vous travaillez. Est-ce qu'il y est a plutôt une opportunité de développer des nouveaux business ou, ou aujourd'hui on le voit plutôt comme, un, comme une limite Je... Allez-y. <laughs> Je sors d'une réunion sur un projet d'économie circulaire dans la filière image qu'on met en place, là, avec Chim Paris Région et EgoProd. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des nouveaux entrepreneurs, des nouvelles entreprises qui se mettent sur ce nouveau marché qu'est la récupération des décors, des costumes, des accessoires. Alors, c'est des chiffres d'affaires qui sont pas forcément importants, mais c'est ces vecteurs d'emploi et on le voit à l'économie circulaire dans d'autres filières, est générateur d'emploi. Donc là, concrètement, euh, euh, nous, on souhaite développer cet aspect-là, cette récupération des éléments, parce que du coup, ça, ça rentre dans les objectifs de réduction d'impact carbone et en fait, ça développe un marché des emplois. Donc euh, oui, je, je, moi, je crois beaucoup à ça et je l'ai dit juste avant, on va avoir des contraintes économiques du fait du, du coût des matières. Donc... À un moment, on va être face à un mur. Donc, moi, je pense qu'il faut anticiper cette transition. C'est un investissement euh, sur l'avenir. Et euh, ce n'est pas un coût en plus, c'est un investissement, vraiment. La même opinion euh, du côté de l'édition Tout à fait. Le, tout, tout gaspillage, de toute façon, est un coût euh, environnemental, mais peut l'être aussi expliqué sur un plan économique. Et c'est très facile à, à, à jouer de ces deux leviers, parce qu'en fait, en fonction des publics dans l'entreprise ou avec les parties prenantes, l'un comme l'autre sont vertueux. Euh, d'être économe en termes financiers ou, ou de, de, de moyens de production ou euh, être économe en termes d'usage de, 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 des, des, de l'énergie et des matières premières. Évidemment que ça, ça a du bien pour tout le monde et ça permet de réfléchir en plus, de revoir ses, ses, ses propres modèles et de reposer des questions à chacun et que chacun puisse remonter son, sa propre expérience et de faire valoir sa propre expertise. Je pense qu'on a eu un lac, parce que la sobriété, elle, on la réinvente, mais il y a 30, 40 ans, 50 ans, la sobriété était là. Euh, si on discute avec les générations passées, c'est pour ça que de penser que aux jeunes, c'est peut-être pas. il faut aussi peut-être voir à l'autre bout des générations passées qui ont vécu euh, avec beaucoup plus de sobriété des, des années très heureuses. Hein. Donc, euh, on pourrait très bien euh, y revenir. Et donc, euh, chacun a une capacité à pouvoir dialoguer, échanger et apporter sa propre expertise. Après, on est dans un milieu culturel. On a un devoir de transmission. Et donc, d'avoir un, une nouvelle thématique qui est l'environnement et où le comportement euh, face aux autres est, est extrêmement important. Et il y a des pistes nouvelles certainement à élaborer, tant en termes de contenu. Que de présentation de ces contenus ou d'usage de ces contenus. Et là, il y a de vraies opportunités pour chacun. Et je pense que ça peut, au contraire, et bien au contraire, redynamiser le secteur en, en se réappropriant ce sujet-là. Effectivement, ouais, je pense que c'est pas une question à se poser en fait. C'est presque, c est, c est évident. Et, euh, et c'est vrai que on, on, encore une fois, je vais, je vais citer un chiffre qu'on a dans, no, dans notre étude. Et, et on a 70% des gens qui nous disent en fait, à l'avenir, je vais acheter un peu moins, mais mieux. Donc en fait, c'est, enfin voilà, il faut juste dire, dire ça. Et évidemment, ça veut dire qu'il faut faire en sorte de, de, de faire mieux. Euh, et, euh, et même si, au final, ça veut dire peut-être moins d'un point de vue consommateur il euh, y a autre chose, vous posiez la question tout à l'heure euh, sur la, la, la volonté de payer plus cher hein, pour quelque chose, un meilleur produit effectivement nous ce qu'on voit dans nos, dans, dans les, dans nos chiffres c'est que euh, cette, euh, cette euh, supériorité on va dire environnementale d'une entreprise c'est un, un vecteur énorme pour un, un, un consommateur d'être prêt à payer plus en fait pour un même produit ou un même service euh, on voit que, que c'est d'ailleurs quand on, quand, on, quand on demande au consommateur euh, qu'est-ce que qu quel, quel, sur, quelle dimension, sur, sur euh, quelle dimension de votre comportement d'achat euh, va avoir le plus d'impact, hein, cette action environnementale des, euh, des entreprises, c'est clairement sur la volonté de payer un prix plus élevé en fait, pour un même produit ou service. Donc euh, voilà, ça paraît assez, euh, assez évident euh, de, de se dire que, euh, aller dans cette voie-là, c'est euh, finalement ne, ne pas se poser la question, ce serait, euh, ce serait passer complètement à côté de la réalité et des attentes des consommateurs. Je voulais juste rebondir sur ce que, ce que vous disiez euh, sur euh, d'aller chercher aussi dans ce qui se passait avant. Il euh, y a une vingt, 20, trentaine 20, d'années, on utilisait euh, des feuilles décor. Donc c'est des grands panneaux de bois euh, normés euh, qui servaient à coller dessus du papier peint, de la fausse brique et de construire un, un décor de cinéma. On n'a plus le temps euh, de, euh, de les conserver, on a moins d'argent aussi pour les stocker et du coup on les a mis de côté. Donc maintenant on les fabrique pour le tournage et ensuite on les détruit juste après. Et là, il y a une réflexion justement de revenir à ces pratiques, de garder ces feuilles des qui existaient avant, de trouver une nouvelle solution. Donc là, il y a des moyens, effectivement, de pouvoir les stocker dans les studios, etc. Euh, donc, effectivement, il y, a des, il y a des bonnes pratiques à, à reprendre. Euh, bah, ça me permet aussi de passer au sujet de l'innovation, de l'idée que la transition écologique est une opportunité pour inventer euh, de nouvelles façons de faire. Euh, Est-ce que ça, c'est vrai pour vous Est-ce que vous avez l'impression de devoir euh, développer des nouvelles façons de de produire, de fabriquer, de tourner, de diffuser, euh, parce qu'il y a cette contrainte, cette double contrainte énergie, euh, euh, ressources, enfin, climat. On a mis dans l'édition, aujourd'hui, il y a des, des outils qui existent et qui nous permettent d'imprimer de 1 à 1 million d'exemplaires, ce qui n'existait pas il y a 10 ans ou 20 ans en arrière parce que on est dans la, la, le juste besoin, et s'il faut une machine pour 10 exemplaires ou une machine pour 100 000, ce n'est pas la même, évidemment. Donc oui, il y a de nouvelles technologies à inventer. Alors on a fait des progrès donc, sur la certification forestière et sur la certification des papiers. Euh, on est aujourd'hui à pratiquement 95% des matières premières certifiées, mais il y a les encres, il y a les cols. Il y a les plastiques, il y a tout ça. Et, et on voit bien que quand les filières se, se préoccupent de ces sujets-là, en fait, on trouve des solutions. Aujourd'hui, il y a une grande partie des encres qui, jusqu'à présent, étaient des encres minérales et donc qui posaient des problématiques environnementales. On est passé sur l'édition, en grande majorité, sur des encres soit euh, végétales, soit des encres à l'eau, et donc progressivement, euh, voilà, et, et, et en devançant même la, 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 la législation, puisque l'objectif est 2025. Déjà, en grande partie, déjà, les, les travaux sont faits. Donc on le voit, et ça ne coûte pas forcément plus cher. Simplement, ça oblige un petit peu à réfléchir et à repenser euh, sa façon de faire. Mais euh, mais non, c'est très très intéressant et, et très innovant. Moi, je pense que le secteur culturel s'adapte sans cesse depuis toujours. Euh, il y a régulièrement, voilà, des baisses de crédit, des, que ce soit des réformes, des, des, des conditions de travail. Donc, pour moi, c'est un secteur qui est déjà en mouvance tout le temps. Euh, donc, en fait, ils ont déjà cette capacité de s'adapter. Et, et alors, je, je vais parler que pour le tournage qui, heureusement, continue en période de Covid. On a dû se réadapter, mais comme les restaurants ont adapté les protocoles sanitaires, donc finalement, l'innovation elle est constante. Donc, ça, c'est quelque chose en plus, finalement, mais euh, ça a déjà été le cas. Voilà, pour, pour sa survie, quand il y a eu l'apparition de la télévision, le cinéma a dû se remettre en question. Enfin, à chaque fois, il y a. Donc, en fait, c'est dans l'état d'esprit, pour moi, du, du secteur en lui-même. Euh, donc, finalement, l'innovation, c'est peut-être plus de s'ouvrir et d'aller chercher dans d'autres secteurs euh, tous ces, ces bonnes pratiques, ces innovations qui existent, les éco-organismes, les certifications, etc. etc. de de s'ouvrir pour partager. Quand le, quand le secteur des industries culturelles, créatives s'est trouvé face à la question de la, de la trans, transformation numérique. On sait que c'est la, la musique qui a été d'abord le plus durement frappée et a dû complètement réinventer son industrie, mais le livre aussi a été quand même un peu à un moment ébranlé, même s'il a résisté très bien à la question de la numérisation. Euh, ils sont beaucoup tournés vers des collaborations dans des, de l'open innovation avec des startups. Est-ce que sur ce sujet de la transition écologique, il y a des collaborations aussi à construire avec des startups qui ont des solutions euh, pour produire de façon plus durable, plus économe, ou justement on va plutôt aller chercher des collaborations avec des artistes, des créateurs, des associations. Enfin, comment vous voyez les choses Peut-être Magali, tu envie de. <laughs> euh, ok. Moi, moi je n'ai pas répondu à la question euh, d'avant sur. Euh... Faut-il investir dans la transition écologique En fait, j'ai envie de revenir dessus parce que ça me ça me chiffonne en fait de poser le, la problématique de cette manière-là. De faut-il investir Est-ce que c'est un bon investissement, oui ou pas, d'investir dans l'écologie euh, Moi, ça me fait peur. De ça me fait très très peur en fait de, de réfléchir de cette manière-là parce que enfin, euh, faut quand même pas oublier que euh, l'argent, c'est une fiction. c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qu'on a inventé. Euh, les lois des hommes, c'est la même chose, c'est des choses qu'on a inventées. Euh, enfin, voilà. En revanche, les lois de la nature, euh, ça, on pourra jamais les modifier et on s'y soumet. Et, et on y sera toujours soumis. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a plein d'argent, mais qu'il n'y a plus de poissons dans les mers, qu'il n'y a, euh, qu a plus rien qui pousse parce que les terres sont trop sèches, qu'il n'y a plus d'abeilles Comment on fait On mange l'argent, on mange les billets, on mange les, 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 les pièces de monnaie. Donc, je, 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 je trouve qu'on n'a pas le choix. Enfin, il faut rappeler qu'on n'a pas le choix, en fait. Il faut juste rappeler que euh, euh, si on veut tenir les objectifs de 1,5 degré, et là on parle déjà plutôt de 2 degrés, de, de 7 degrés à la fin du siècle, euh, on n'a pas le choix de changer dès maintenant et que les changements, on, on, on les vit déjà. C'est-à-dire que les, les rendements agricoles s'effondrent déjà, euh, on est déjà en train de euh, manquer de matériaux rares, donc euh, la question ne se pose pas. Voilà. <laughs> D'accord, je, je, je partage ce constat. Euh, je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on est réunis et qu'on en parle aujourd'hui, hein, c'est qu'on n'a pas le choix, l'urgence, elle est là, il faut faire face. Et du coup, pour revenir à mon autre question, qui était okay, plus, les collaborations. Euh, voilà, comment méthodologiquement on s'y prend Est-ce qu'on qui on se fait des, des startups, des, des associations, ouais, euh, des bah, créateurs euh, Je pense que là, visiblement, vous êtes déjà informé de, de ces problématiques-là, mais je pense que la première chose à faire, c'est d'informer sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans le secteur euh, euh, culturel, euh, média ou autre, en fait, il y a euh, une, une mésinformation euh, très grave et très sérieuse. Et euh, nous, ce qu'on essaye de mettre en place le plus possible, c'est justement de la, la formation. Euh, des leaders culturels, des acteurs culturels. Donc, en fait, de mettre en place des collaborations et de la transversalité entre euh, ces scientifiques euh, du climat, de la biodiversité. Un exemple, euh, il y a quelques mois, on a organisé une soirée chez YouTube avec une centaine de YouTubeurs. Et il y avait Valérie Masson-Dalmotte qui a coordonné le dernier rapport du GIEC. Euh, il y avait euh, euh, Gilles Boeuf qui est euh, l'ancien directeur du Muséum d'histoire naturelle. Et en fait, cette soirée, elle a cartonné parce qu'on a parlé de choses fondamentales. Euh, les gens voulaient plus partir. On était en train de fermer mes lieux. Ils voulaient plus partir. Ils voulaient continuer à parler pour savoir ce qu'ils pouvaient faire. Et les scientifiques nous appelaient à l'aide parce qu'ils nous disaient nous, on n'arrive pas en fait à alerter. On ne sait plus comment s'adresser à, à la jeunesse et au public. Euh, donc en fait, on a besoin de vous pour faire passer nos messages. Donc, ce type de collaboration pour nous, il est primordial. Et la, le fait d'informer au maximum et le public et les acteurs culturels, je pense que pour moi c'est la priorité. Euh, et on l'a encore vu dans la Convention citoyenne pour le climat, il y avait 150 euh, citoyens qui ressortent. Donc, ça, c'est un peu une émanation aussi de notre première campagne, parce qu'au moins il y a eu de, des, enfin, du lobbying euh, politique derrière. Et, euh, et donc, euh, lors de la première séance euh, avec ces 150, il y a des scientifiques qui sont venus leur exposer les faits. Et ce qui est ressorti de cette séance, c'est qu'on s'est pris une baffe monumentale. Il y avait des climato-sceptiques dans la salle qui ont complètement switché, qui sont devenus parmi les plus militants des militants. Donc je pense qu'il faut, en tant qu'acteur qu culturel, se rendre compte de la responsabilité et du pouvoir énorme qu'on a, et prendre ce pouvoir pour en faire quelque chose de, de vertueux. On voit sur le film le succès du film demain, tout, tout, tout simplement, quoi. et d'autres. Comment ça a touché des gens Alors, je parle contenu, je sors un peu de mon cadre, mais euh, voilà, c'est un exemple concret, quoi. Ça a touché. Euh, ouais, donc le, un des premiers logiers, c'est la création, c'est ce que vous avez euh, à dire. J'avais quand même envie de, de parler de la question de la, de la collaboration, de la communauté, puisque bah, EcoProde, c'est un collectif, On est prêt, c'est un collectif. On a vraiment l'impression que cette transition écologique, elle se fera que de façon collective, parce que c'est un problème euh, systémique, donc il ne peut se résoudre qu'en mobilisant euh, tous les acteurs d'une chaîne. Euh, Est-ce qu'une approche type écoprod, elle peut être transposable au sujet du livre ou à, à d'autres euh, industries Est-ce que d'ailleurs peut-être le, le SNE fonctionne comme cette espèce de, de boîte de collaboration qui, qui approche la chaîne dans sa globalité Évidemment, évidemment. On travaille avec les établissements scolaires euh, dédiés à l'édition et, et à l'imprimerie. Euh, on a des, des lieux de partage d'informations Et c'est vrai que. Un acteur tout seul ne peut pas changer un, une filière. C'est clair que ça doit aller euh, ensemble et, euh, et, et de façon profonde. Euh, donc euh, il faut des vraies ambitions, il faut des vrais, des vrais meneurs aussi. Je pense qu'il faut des gens avec des convictions et qui, euh, qui, qui tirent le, les gens et qui, oui, sont des forces de conviction. Euh, parce qu'il euh, y a des climato-sceptiques, mais pas que. Il y a aussi des gens qui sont très à l'aise dans leur propre vie d'aujourd'hui, qui n'ont pas forcément envie de changer, qui trouvent ça très bien. Il y en a d'autres qui en parlent et qui, quand on regarde les actes en face, ne sont pas toujours non plus au regard de, des discours. Donc, oui, non, il y, a un vrai, il y a une vraie transformation à faire de fond, ensemble. Il faut la faire aussi de façon euh, bah, durable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une révolution. Je pense qu'il faut faire évoluer les mentalités, évoluer les processus. Euh, la révolution, c'est jamais très très bon, surtout dans des situations comme on a aujourd'hui où tout le monde devient plus ou moins fragile. Euh, donc euh, là, je pense qu'il faut s'entendre, il faut, faut s'écouter et il faut progresser rapidement mais profondément. Et euh, ça peut se faire qu'en dialoguant et en s'écoutant. Je vais vous poser une dernière question avant d'ouvrir de, de, aux questions du public qui, qui, en fait, est là, nous regarde. Les questions, vous nous êtes transmises. Une question... Euh à laquelle j'aimerais que chacun vous répondiez. Euh, les industries créatives auront répondu, auront réussi leur transition écologique. Si, si quoi <laughs> Marilyn, je, je commence. <laughs> euh, moi, toujours dans cette perspective de, 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 de des citoyens euh, qui veulent être acteurs euh, du, du changement. Euh, je pense que l'industrie, industrie, les industries créatives et culturelles auront réussi la transition. Si. Elles mettent à disposition des citoyens, des consommateurs, des outils pour eux aussi devenir directement acteurs du changement. Et, euh, et ça, peut, ça peut passer par plein de choses. Ça peut passer par euh, le fait de choisir un produit plutôt qu'un autre. Ça, c'est déjà être acteur du changement. Ou alors, euh, ça peut être leur, leur, leur laisser le choix d'utiliser une version euh, plus écologique euh, qu'une autre d'un même produit. Et donc là, évidemment, s'il n'y a pas d'impact sur l'expérience euh, d'utilisation d'un produit ou d'un service, évidemment, le consommateur va vouloir faire en sorte d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc c'est vraiment cette façon euh, holistique, euh, pour moi, qui est, qui est, qui est, qui est primordiale, c'est de se dire en tant que euh, acteur de l'industrie, euh, je vais agir moi euh, personnellement et je vais aussi laisser euh, les citoyens, les consommateurs jouer un rôle dans cette, trans dans cette transition et cette transformation. Merci. Johanna euh, Ce sera réussi si déjà la première barrière mentale saute. Euh, ça prend trop de temps, euh, c'est compliqué, ça coûte trop cher. On voit, il y a des solutions, il y a des outils, euh, voilà. Donc euh, déjà, il faut, faut changer de, de comportement. Et euh, si toute la chaîne s'y met, je l'ai dit tout à l'heure, et ce que vous disiez aussi, euh, du, du scénariste au diffuseur à la salle de cinéma et aidé par d'autres là, il faut que toutes les... c'est un maillon. On, on est des maillons, donc euh, il faut que tout le monde s'y mette pour que ce soit vraiment efficace et que ça fonctionne et que ce soit cohérent. Magali, euh, les industries culturelles réussiront la transition écologique. Si elles comprennent et si elles intègrent les limites planétaires dans leur processus de production et de création. Merci. Si elles deviennent essentielles, parce qu'elles disent et ce qu'elles apportent. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, elles pourront dire des choses qu'à partir du moment où elles sont entendues. Et donc elles seront entendues si elles apportent des solutions et peut-être éveillent les gens à de nouveaux enjeux et y participent. Et donc euh, là, on pourra peut-être redevenir essentiel. On va trouver un meilleur mot pour euh, pour faire une première euh, première conclusion euh, à notre échange, mais donc maintenant on va on va prendre les questions euh, du public, Catherine. Je crois qu'il y en a quelques-unes. Voilà, je vais me faire le porte-parole des questions qu'on a remontées. Euh, la première quelles sont là les solutions pour éviter la pollution émise par les serveurs de plus en plus sollicité par le développement d'Internet et notamment du streaming vidéo. Euh... En fait, il y a des innovations technologiques qui existent. Il y a notamment une, une start-up, justement, d'en parler, française, qui s'appelle Easy Broadcast, qui a trouvé un nouveau module qui. Alors, je vais rentrer, c'est un peu technique, mais je vais essayer d'être très pédagogue. En fait, ce qui consomme le plus, c'est le canot de diffusion. C'est 70% des, des émissions dans, dans le streaming. Et en fait, cette solution, c'est d'utiliser la, la capacité de calcul des, des outils récepteurs. Donc, son téléphone, son ordinateur portable, ça. Euh, sa télévision, il y, a, il y a des disques durs, il y a de la mémoire vive dessus donc c'est de la capter pour aider à la transmission et, et d'éviter que ce soit le canot de distribution lui-même euh, qui, qui, qui gère tout et euh, voilà c'est beaucoup plus transversal et c'est de répar répartir les, les capacités énergétiques, donc voilà il y a, il y a des solutions très concrètes la seule Question Non non je, je... Alors, on est... il y a quelques questions je peux prendre aussi des questions du public ici alors, je continue. Euh, quelle politique publique attend le secteur du ministère de la Culture pour soutenir la transition Sensibilisation, soutien écologique, aide méthodologique Les trois, non enfin, <laughs> C'est mon avis. Alors, un peu justement sur les aides euh, sur les aides financières disponibles pour les industries créatives. Euh, on a la, euh, voilà qu'est-ce que font l'Ademe, euh, le, le, le MCC, donc euh, le CNC. Euh, Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée d'intégrer un bonus écologique dans ces aides? Je réponds aussi. Euh, alors, le, le CNC a, a une, une aide aux industries techniques pour permettre justement à l'investissement plus durable, notamment pour les studios, les prestataires techniques, donc ils prennent en charge une partie du différentiel du coût de matériel qui, pour l'instant, est plus cher, mais ça a tendance à baisser. Euh, on peut faire aussi des études d'impact, des études énergétiques, notamment sur les studios. Et il y a deux autres dispositifs qui existent en France, c'est euh, la Corse et la région Île-de-France euh, qui ont mis en place des éco-bonus pour les productions qui rentrent dans une démarche euh, Éco-environnementale. Donc, elle donne un fonds supplémentaire pour euh, euh, voilà prendre quelqu'un en plus pour traiter euh, traiter cette problématique sur un tournage. Pour l'édition, en fait, c'est le CNL, mais c'est une aide à, à l'édition et pas à la production. Donc, en fait, le livre n'est pas aidé dans son dans son dans sa production. Donc, elle c'est sa propre filière qui tient. Qui tient les coups. Donc, euh, on, a, on a essayé de chercher avec le CNL à voir comment on pouvait intégrer des problématiques environnementales, mais du coup, on est limité parce que le, le périmètre du CNL est sur la partie éditoriale, donc à aval, du moins à mont de la, de la partie production. Qui pourrait faire justement agir sur la partie production Je pense que il faut. Moi, je suis convaincu que les acteurs doivent se prendre en main euh, et que les, les priorités doivent être gérées par les propres secteurs, parce que ce sont les mieux à même à, à comprendre et, et voir comment peut-être articuler rapidement quelque chose d'efficace. De, le, le, le pire de tout, c'est d'avoir une norme qui arrive et qui, euh, qui soit à côté en fait de ce que peuvent les acteurs et qui les rend réfractaires au, au changement. Je pense qu'il faut qu'ils deviennent eux-mêmes acteurs du changement et qu'ils... Euh, qu par contre.. Euh, d'avoir un soutien sur toute la partie euh, euh, structuration, de faire que ensemble on puisse travailler tous ensemble et que là, euh, les différents organismes euh, ou, ou ministères soient là pour nous aider à, à, à poser le dialogue. Euh, voilà. Mais je pense que les acteurs, de toute façon, on n'a plus le choix. Il faut, faut que les acteurs se prennent en main. Et, et au-delà du bonus, on peut même aller plus loin et penser éco-critères. C'est l'étape d'après, même. Plus penser aide en plus, mais euh, je pense que la réflexion, elle est là. C'est euh, les, les critères d'attribution des marchés publics pour les opérateurs euh, parapublics publics, -public, euh, sur les fonds publics euh, dans les demandes de subventions, dans les conventions, effectivement, des éco-critères. Ça, voilà, c'est de la réglementation, ça peut se... Mais tout, toujours accompagné avec de la sensibilisation et des outils à disposition. Pas une révolution euh, tout d'un coup. Quoi. Il faut effectivement que ce soit accompagné. Alors peut-être pour rester effectivement sur ces, sur ces questions de normes. Euh, il y a une question sur la norme ISO et la certification. Euh, quelles sont-elles dans vos secteurs? Euh, quels bénéfices y a-t-il à se faire certifier, par exemple, ISO euh, 26000 ou ISO 21-11-21, je ne sais pas si je dis bien, à l'instar des transmusicales de Rennes, y a-t-il un avantage de compétitivité qu'on euh, fait le label des coproductions avantage auprès des plateformes SVOD. Il y a un label, euh, donc le label Lucie dont j'ai parlé, qui est pour le spectacle vivant dont s'emparent aussi certains prestataires techniques. Euh, pour avoir discuté avec le, le, le directeur de cette entreprise, il y a un, un avantage en termes de, de positionnement de marque, euh, mais aussi d'être en mesure de répondre à des appels d'offres euh, de la part de grands opérateurs audiovisuels qui demandent euh, de plus en plus maintenant ces certifications. Donc il y a clairement un bénéfice en termes de positionnement de marché, évidemment au-delà de l'aspect la, vertu de la démarche. On en a plein. On ne sait plus où les mettre. C'est. Infernale. <laughs> Il y a des normes partout, internationales, françaises, locales, enfin. Il y en a partout. On a des normes sur euh, sur la sur la RSE, mais sur l'environnement, des normes ISO 14 000, 26 000, 54 000. Euh, on a les certifications sur le papier, on a les labels sur les encres, on a les les plastiques aussi, les normes jouets sur les livres pour enfants, les normes CE avec les EN 71 machin, etc. Euh, on, on en a énormément et qui posent d'ailleurs même un problème de compréhension. C'est-à-dire que les, les acteurs ont du mal à, à faire le tri à la compréhension de chacune et à mesurer l'impact réel de chacune. Et le consommateur, alors là, par contre, après, là, on les perd, on perd tout le monde. Euh, donc euh, c'est là où il y a, je pense, un enjeu, c'est euh, comment montrer euh, un produit qu'il est éco-conçu fait avec des matériaux corrects, etc. Dans un processus et dans un processus de vente aussi et d'usage euh, qui, qui permettent vraiment une, une éco-conception, mais jusqu'à une éco-utilisation aussi. Je pense qu'on parle beaucoup d'éco-conception, mais on devrait passer les... et entre autres pour le numérique, ce serait pas mal. Euh, la... c'est d'avoir des outils qui permettent aux consommateurs de mieux comprendre ce qu'ils achètent en termes environnementaux. Et là, le problème, c'est qu'on a une accumulation de, de normes. Après, sur l'impôt plan professionnels, chacun doit par contre avoir des formations à sa disposition pour lui permettre de comprendre qu'est-ce qu'une norme ISO 14001, qu'est-ce qu'un Ecoflower, que, qu que... et là je pense qu'il y a un manque dans l'ensemble de nos formations, dans nos cursus sur ces sujets-là et après dans les entreprises des formations euh, sur euh, pendant pendant tout son parcours pour les faire évoluer parce que elles évoluent évidemment il y a des contraintes il y a la reach ouais, on peut en, on peut en rajouter il y, a, il y a tout ça qui évolue et, et c'est vrai que ça devient extrêmement compliqué de pouvoir euh, comprendre chacune et de, de pouvoir justement être euh, de prendre les bonnes décisions et... oui oui mais donc ça c'est il y, 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 y a deux sujets en fait en un le, le secteur culturel utilise très peu donc ces certifications, contrairement à d'autres, et vous, vous êtes un peu l'exception, le, ex, parce que l'imprimerie, comme vous l'avez dit, est très structurée. Euh, mais en fait, finalement, on est une filière peut-être en retard par rapport à ça. Euh, alors après, ça a un coût de se faire certifier, c'est du temps, c'est de l'argent. Donc aussi, c'est euh, quel moyen, euh, encore une fois, pour le secteur culturel pour euh, mettre en place ces certifications euh, Est-ce qu'il faut en, en avoir une adaptée Je ne sais pas, mais c'est effectivement une vraie question. Là, on est, on est un peu l'exception, justement, par rapport à ça. On a, on a un très bon bouquin chez Gallimard sur les règles absurdes. <laughs> euh, accumuler des, des certifications, etc., c'est très bien. Mais en fait, dans notre monde à nous, dans notre monde culturel, où les gens sont extrêmement investis sur euh, ce qu'ils produisent, ce qu'ils font et comment ils le font, euh, d'avoir une vision, une visibilité de l'ensemble de la production et quelle est, eux, leur action dans cette chaîne de production, c'est plus important. Est plus efficace, puisqu'on est dans du prototypage systématique, ou presque, que d'avoir des règles absolues où la personne va se cacher derrière une règle en disant j'ai signé le formulaire machin et moi j'ai fait mon job. Maintenant derrière, qu'est-ce qui se passe J'en sais rien, c'est plus ma responsabilité puisque je rentre dans un système extrêmement administré avec des règles, des normes, etc. Et je pense que dans notre milieu culturel de, de prototypage, ce qui est extrêmement important, c'est que les gens perçoivent l'objectif de la chose et puissent ajuster au fur et à mesure de la, de la production. Et donc, c'est plutôt de l'agilité. Et donc, je pense à vraiment à la formation et au dialogue plus qu'à peut-être à des certifications euh, internes. Vous parliez de, des, 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 des tableaux. Bah, c'est du bon sens. Après, maintenant, où est-ce qu'on le met okay. Il nous reste. Euh quelques minutes avant la fin de cette table ronde et je me rends compte qu'on n'a on a pas assez parlé à mon goût finalement et c'est de ma faute hein, du cœur du sujet que, que sont les artistes et les créateurs comme dit Magali. Euh, la table ronde va se conclure. Si vous deviez faire des suggestions aux personnes qui nous ont regardé au public de choses, de livres à aller lire, euh, de, de films à aller regarder, de, de séries à regarder, de, de, de campagnes YouTube à regarder qui, qui soient exemplaires de cette cohérence qu'on peut chercher entre entre un discours et un mode de production responsable, peut-être exemplaire de ce vers quoi doivent tendre le secteur culturel, vous leur diriez d'aller regarder quoi ou d'aller lire quoi, <laughs> ce soir ou demain Moi, je ne conseille rien, hein, je trouve que c'est une question trop compliquée. Par contre, d'être curieux et d'aller avoir des pratiques culturelles et, 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 de, et de soutenir les salles de cinéma, les théâtres, les salles de spectacle, ça, pour moi, on, on en est là, c'est important. Euh, ça va pas en contradiction avec tout ce qu'on a dit juste avant, au contraire, donc euh, c'est plutôt moi la curiosité et d'y aller, de rentrer dans cette démarche là Alors, Je vais faire un petit peu de, de, de promotion pour Vivendi, bon, Désolée, je connais, je connais bien Vivendi, donc je, je connais ce qu'il y a comme contenu sur My Canal Voix Green c'est une plateforme sur laquelle il y a des, pas mal de reportages, de documentaires sur le sujet euh, donc voilà, pour ceux qui ont envie de, 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 de se renseigner un petit peu et d'en savoir un peu plus, il y a énormément de contenu euh, intéressant sur la plateforme Euh, ben moi, je vais inviter euh, les gens à s'inscrire aux réseaux sociaux dont on est prêt, notamment sur le site Internet. Euh, on pourra voir euh, ce qu'on a fait avec l'ENA, On a lancé une collection de livres à destination de la jeunesse sur les déclics justement, écologiques. Euh, plus récemment, la campagne Imaginons le fait pour soutenir euh, les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, euh, justement pour euh, euh, se, être en capacité de se projeter dans un monde qui respecterait. Euh, les propositions qu'ils ont faites à Emmanuel Macron. Euh, sinon, j'inviterai à lire euh, le dernier livre de Sandrine Roudot, Les Déliés, euh, où justement elle euh, imagine euh, une utopie lucide, et puis le livre euh, de Rob Hopkins. Euh, alors je l'ai que en anglais, c'est From What is to What If, justement pour remuscler nos imaginaires. Merci. Et alors, une recommandation Gallimard, peut-être non, 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 justement, non, en fait, je ne peux pas. Là, en ce moment, je peux vous dire qu'il oui, y a quelques titres, comme ça, je les ai bien en tête, le cadencement de production. Non, je pense qu'il faut qu'on soit éveillé aux choses, et je pense que ce n'est pas une lecture, mais des lectures qu'il faut faire pour avoir plusieurs points de vue. Euh, je suis convaincu qu'un seul point de vue, c'est jamais bon, c'est avoir des œillères. Donc avoir des points de vue, même ceux que l'on ne souhaiterait pas peut-être entendre, etc., essayer de les comprendre pour peut-être les décortiquer, pour peut-être mieux pouvoir dialoguer et échanger avec des personnes qui ont le même avis ou pas le même avis que nous. Je pense que là, il y, y, y a de vrais sujets. Et donc, non, ce sont des lectures. Et je pense que voilà, les librairies sont, sont réouvertes. Il enfin, faut y aller. Et puis bientôt les cinémas, non Espérons. En tout cas, merci beaucoup à tous. Je crois que c'est l'heure de conclure. Euh, en tout cas, sachez que vous pouvez retrouver aussi euh, les axes dont on a discuté de façon peut-être plus approfondie dans le, le livre blanc qu'a présenté Catherine Perrault euh, en introduction de cette table ronde, qui porte sur le même sujet de la transition écologique euh, des industries culturelles et créatives, puisque euh, tous nos intervenants ont été interrogés et, et ont nourri de leur expertise euh, bah, le, le raisonnement et l'exposé qui, qui est présenté. Voilà, merci beaucoup à, à tous. On vous remercie très fort. On va vous applaudir le peu qu'on est. Merci Camille. Ben, merci encore. Euh, du coup, ben, je vais conclure, euh, je conclue alors euh, cette, euh, ce show de Link. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir euh, suivis. Euh, N'hésitez pas effectivement à aller télécharger le, le livrable qui est en résonance avec cette table ronde. Il y a tous les liens, euh, tous les, les, les contacts euh, voilà, qui ont été cités et plein d'autres que vous pourrez... Retrouver. Euh, J'ai des petits remerciements à faire. Donc je remercie bien sûr Camille et ses intervenants, c'était passionnant. Euh, je remercie Roxane et Laurie qui ont euh, énormément travaillé à ce livrable euh, de l'équipe Link et Labo de l'édition. Je remercie Anne-Sophie aussi de l'équipe Link qui a super euh, pitché ce matin les 30 startups qui, ont, qui, 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 voilà, qui pitchaient en deux minutes. Je remercie tous les membres euh, fondateurs de Paris Co. Et plus spécifiquement de Link et du Labo, donc Baninje, Vivendi, Média Participation et la Caisse des Dépôts. Je remercie bien sûr Paris Co avec Loïc, Virginie. Là, j'en cite quelques-uns, mais on est tous une équipe derrière et c'est super de pouvoir compter sur tout le monde pour arriver à faire ce genre d'événement. Je remercie bien évidemment le Forum des Images. Euh, sans qui euh, ce, ce show ne serait pas ce qu'il est, parce qu'on est un super écran. Et puis il y a une super équipe technique aussi. Alors là aussi, je, je ne cite que Claude, que Michel, qu'Alizé, mais je remercie vraiment tout le monde derrière, euh, parce que c'est super agréable d'être euh, ici avec vous. Voilà euh, l'équipe de consulting aussi qui nous a fait euh, ce live sans fausse note et c'est vraiment super. Et enfin, à vous tous encore pour nous avoir suivis et nous retrouver peut-être aussi en replay. N'hésitez pas, ça se voit, ça se revoit et ça se consomme sans modération. Vive le divertissement. Ciao